Oui. C'est reparti. C'est reparti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Évidemment que non, ça fonctionne pas. Comme d'habitude. Qui c'est qui a coupé la caméra? Si, c'est bon. C'est bon ça? C'est. On est bien. C'est le retour. On est de retour. Alors, est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Ouais, c'était bien. C'était bien? Vous avez abusé des bonnes choses? Oh oui. Mais j'espère que vous l'avez fait. Parce que si vous ne l'avez pas fait, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et comment ça s'est passé, Linux? C'est passé. C'est passé? C'est passé. Yeah. Mais c'est passé douloureusement ou... Avec un effet raccord. Peut-être au début, mais après, c'était bien. Ça a été... Ça a été... Dans l'ensemble, ça a été. Ah, oui, voilà, voilà. Vous avez découvert un nouveau monde, peut-être, mais... C'est un monde extrêmement intéressant. Ouais. Oui. De loin, ça a l'air. Ça a l'air, mais bon, je suis pas sûr. Ok, vous avez découvert Gilles. Ouais, Gilles. Et gentil, Gilles. Ouais. Et très gentil. C'est le pire qui fait rien. Il vous a fait rire en plus. Ah, parce que en plus d'être gentil, il est drôle. Ah, il... Regorge de qualité, ce jeune homme. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui nous as expliqué comment se transformer en Kim, le petit hacker coréen. Lui, il nous a expliqué comment être discret si on est un pédo-djihadiste nazi. Pédo-djihadiste nazi. Et ça, on a apprécié. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un... ça, sur le CV, ça claque. Ça claque sur le CV. Que... Moi, je trouve que ça pète, quoi. Très bien. Ouais, ouais. Vous avez des questions? Eh bien, ouais. Je ne pourrais pas y répondre. Moi, tout de suite, il faudra me laisser un petit peu de temps. Sur Linux, hein, c'est pas ma spécialité, mais... Ah, si tu veux, on a 4 cas d'administration. Vous avez 4 livres d'administration, c'était la récompense d'exercice. 4 livres? Des livres, ouais. Des livres, des 2 kilos, donc, vous avez. Ouais, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, à peu près. Des 2 kilos d'administration. Ouais, ouais, ça va. C'est lourd. Bon, alors, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Donc, vous allez pouvoir réutiliser vos souris. Clic droit, ouais. Clic gauche et tout. Alors, je crois que j'ai vu le planning, c'était interconnecté et après réseau avancé. Bon, alors ça a été inversé. Il y a une erreur de planning. On fait d'abord réseau avancé et après interconnexion. D'accord. Ah, je sais pas qui fait ces plannings, mais c'est n'importe quoi. Je suppose qu'on fusille les VM. Bien sûr. Ah oui, vous pouvez supprimer toutes les VM que vous aviez de créer, vous me nettoyez tout ça. Hop, ça dégage. Je vous rassure, on va en refaire plein. Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, il va bien sûr y avoir nouvelle construction, de nouvelles maquettes et de nouveaux réseaux. Et donc le sujet, pour pouvoir faire notre sujet du jour, je vais avoir besoin que vous recréiez justement des machines. Alors comme je ne sais pas ce que vous avez sur vos machines, vous me les supprimez pour de vrai, hein. On part vraiment propre, hein. Deux secondes. Parce que je sais pas ce qu'il y a eu, des routages, machin et tout. C'est plus hier, hein. 50 heures de taf. Ouf. Allez. Cette semaine, nous allons parler de l'Internet. Du vrai Internet. On va s'éloigner un petit peu. Et donc, on va prendre un exemple. Vous avez une VM que vous créerez plus tard. On va imaginer que vous avez cette machine virtuelle qui est créée, 192.168.x.1/24. Et sur l'Internet, vous avez un autre ordinateur qui a une adresse IP. Au hasard, 8.8.8.8. Alors, ça, c'est un serveur qui appartient à Google qui, jusqu'à aujourd'hui, répondait au ping encore. Ça va peut-être changer d'ici une heure, mais en tout cas, pour l'instant, et c'est le DNS, ça répond toujours. Donc, l'objectif va être de dire, depuis mon serveur 1, je vais essayer de faire un ping de 8.8.8.8. Tout simplement. La VM que vous allez créer, elle est connectée normalement à un vSwitch PV01. Ouais, qu'on a créé, ouais. Cette machine-là, elle est où? Elle est sur le vrai Internet. Donc, entre cette machine-là et cette machine-là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir permettre la communication. Pour l'instant, imaginons que elle soit directement connectée. On imagine qu'à travers l'Internet, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce ping? Vous allez appliquer la règle du petit train, ouais, évidemment. C'est le retour. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le serveur 1 si je ping 888? C'est pas ça du tout la règle du petit train. Non, il n'y a pas un appel qui est envoyé. Non, oui, c'est pas ça la règle. Si c'est dans son réseau. Oui. Et après, si c'est pas dans son réseau, il passe par ça. Voilà. Il envoie ça, ça passerelle par défaut. C'est quoi la passerelle par défaut du serveur 1? Et bien là, dans ce que j'ai écrit, j'en ai pas. Donc forcément, on va forcément imaginer qu'il y a un routeur. 192.168.x.254. On reste dans le bout classique. L'autre côté du routeur, lui, il faut qu'il soit connecté à l'Internet. Ici, dans notre salle, c'est représenté par les vSwitch externes. vSwitch externe, le numéro de réseau, vous n'avez pas le choix. Dans cette salle, c'est combien? 172.205. Nous, on l'a refait. Normalement, c'est 0. Quelque chose. Non, on va mettre x.254, par exemple, en slash s. Donc, je lui mets les deux adresses IP comme un routeur normal. Donc, mon petit train maintenant, il quitte mon serveur 1 et il va jusqu'au routeur 1. Le routeur 1 se pose la même question. Est-ce qu'il connaît 888? Est-ce que c'est dans son numéro de réseau? Non. Donc, il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. On peut espérer que ce routeur soit bien configuré. Qui on lui est configuré une passerelle par défaut? Bah, qui est censé être... Ah, je suis allé un peu près, là. Il est où? Quelqu'un des... Gilles! Il n'y a pas écrit sur le tableau porté avec. Ouais, tu parles. Il écrit jamais sur le tableau. Hein. Mmh. C'est louche, hein, moi, je trouve. Il écrit sur le papier. Ça veut dire qu'il y a un autre routeur qui est forcément configuré, qui est dans cette salle. Oui! Dont l'adresse IP est 172.205.0.1.
c'est 254. L'adresse du routeur qui est là-haut. Donc mon petit train, il peut quitter ce routeur-là et il va dans le routeur d'après, qui se pose la même question. Est-ce qu'il connaît 888? Non, donc il a ça à ça. Passerelle par défaut, bon, on va pas tous les faire, hein, mais on va jusqu'à l'internet. Donc mon petit train, il arrive jusqu'à 888. Un ping, ça s'en va et ça revient. Donc mon petit train, maintenant, il doit revenir du serveur qui est en 888 à 192.168.x.1. Donc je pars de 888 et le destinataire c'est 192.168. Est-ce que c'est le même numéro de réseau que lui? Non. Il envoie ça à qui? Et ça revient jamais. Pourquoi? Si vous faites ça, c'est ce que vous pouvez essayer de faire, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Même si théoriquement ça fonctionne, il y a un problème dans ce que j'ai écrit. C'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème d'aiguillage. C'est un problème d'adresse. De port ? Oui. De port ? Non. De départ. L'adresse de départ, c'est combien ? 192.168.x.1. Et qu'est-ce qu'elle a de remarquable, cette adresse ? C'est une adresse privée. C'est une adresse IP privée. Ces adresses ne sont pas routables sur Internet. Ça veut dire que les routeurs de l'Internet, 192.168, ils ne connaissent pas. Ça ne route pas. Les routes 192.168, ils ne les ont pas. Donc en fait, ça ne pourra jamais traverser les routeurs de l'Internet. Si vos ordinateurs ont des adresses IP privées, ils ne peuvent pas utiliser les routeurs de l'Internet. C'est impossible. Ça ne fonctionnera pas. Nous voilà bien embêtés. Il faut qu'on ait une adresse IP publique, quelque part. C'était comme ça, il y a fort longtemps. Lorsque tu voulais que le PC de ton entreprise puisse surfer sur l'Internet, il lui fallait une adresse IP publique. Donc, il fallait qu'ils aient des adresses en 5.1, 110.12, enfin, toutes les autres. Toutes celles qui ne sont pas des adresses IP privées. Donc vous imaginez bien les entreprises qui ont deux PC, ça va. Celles qui en ont 200, il va falloir 200 adresses IP publiques. Celles qui en ont 2000, il va falloir 2000 adresses IP publiques. Ça se monnaie, les adresses IP publiques, je crois. C'est pas... Là, on n'est pas dans le gratuit, là. Ah, là, on n'est pas dans le gratuit du tout. Donc c'est pharaonique comme coût. Et puis, le deuxième souci, c'est que quand un ordinateur a une adresse IP publique, il est sur Internet. Il est directement sur l'Internet, genre il est pingable. Donc il est attaquable. Donc il est accessible. Il y a eu des époques où tu te branchais sur Internet, dans les 5 secondes, t'avais 5 virus, 12 attaques, ton PC il se faisait laminer instantanément. Donc la solution, ça a été de dire, il faudrait qu'on trouve une solution pour faire un espèce de partage, je mets des guillemets, d'adresse IP publique. Et cette solution, ça s'appelle le NAT. Et c'est ce qu'on va faire. Même si vous l'avez un peu abordé, je crois, avec... Comment il s'appelle l'autre déjà ? Qui ça ? Gilles. Avec Gilles, vous avez abordé le NAT aussi ? Non. Vous avez monté des NAT sous Linux ? Waouh ! Impressionnant ! Avec Benoît. Avec Benoît. Ah bon, vous savez déjà comment ça fonctionne alors ? Non. Non, on va dire que non. On l'a fait sur un serveur. Mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé est-ce que vous savez comment ça fonctionne. Non. Le principe du NAT. Non. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, je vais vous faire un autre schéma un petit peu plus simple que celui-là. On va simplifier les routeurs. Je vais mettre des petites étapes en moins. Je vais prendre 192.170.254. Hop, j'ai un routeur. Et on va dire que ce routeur, il est directement connecté à Internet. Il a donc une adresse IP publique, lui. Une seule. Donnez-moi une adresse IP publique au hasard. 150.150.0.1. Ouais. C'est une adresse IP publique. Félicitations.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dessiner le petit train. Je crois que je vous l'avais déjà fait, hein. Ouais. Quand on dessine les trams TCP/IP, il y a un destinataire, des datas et un émetteur. Ouais. Comme l'objectif ici, c'est de faire mon ping 8.8.8, je pars du serveur 1.192.168.x.1. Mes datas, bon, c'est un ping. Et le destinataire, c'est 8.8.8. Normalement, quand on traverse le routeur, la trame elle reste identique, elle va jusqu'à 8.8.8 et 8.8.8 veut répondre à l'émetteur, il ne peut pas le faire. Quand on a un routeur sur lequel vous avez activé le NAT, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire du Network Address Translation. Il va traduire une adresse IP. Et celle qui va traduire, c'est celle de l'émetteur. Votre trame elle va être modifiée quand elle passe par le NAT. Le destinataire, c'est toujours 8.8.8.8. Les datas, c'est toujours un ping. Mais l'émetteur va être différent. L'émetteur, ça va devenir l'adresse IP publique du NAT. Ce qui fait que lorsque mon petit train il arrive jusqu'au serveur 8.8.8, le serveur 8.8.8, il va vouloir répondre à qui? À l'émetteur. Sauf que l'émetteur maintenant, c'est 150.150.0.1. Et ça, c'est une adresse IP publique. Donc, il peut répondre. Donc, le petit train peut revenir jusqu'au NAT. Charge au NAT, après, de remodifier la trame et de la transformer à nouveau pour que... Alors, ça, c'était l'aller. Si je fais le retour, hop, si je fais ma trame de retour, l'émetteur... L'émetteur, c'est 8.8.8.8. C'est toujours la réponse de mon ping. Et le destinataire, dans un premier lieu, c'est 150.150.0.1. Mais quand ça traverse le NAT, la trame, elle est modifiée. L'émetteur, c'est toujours 8.8.8.8. C'est toujours un ping. Et ça devient 192.168.x.1. C'est déconcertant de facilité. Hein. Et du coup, le NAT, il n'a qu'une seule, il n'a pas de passerelle par défaut. Si, si, ça reste un routeur classique. D'accord. Le fonctionnement du petit train reste tout le temps le même. Quand le premier ping il part du serveur 1, est-ce que c'est dans son numéro de réseau? Non, donc sa passerelle, c'est le routeur NAT. Le routeur NAT, il doit joindre 8.8.8. Est-ce que c'est dans son numéro de réseau? Non, donc il envoie sa passerelle par défaut. Là, le petit nuage qui est dessiné comme Internet, en fait, c'est des centaines de routeurs, des milliers de routeurs qui sont tous interconnectés ensemble pour aller jusque-là. Donc ils ont tous plein de passerelles par défaut, ça se voit quand tu fais le train cert. Là, tu vois tous les chemins qui sont parcourus par ta trame entre ton PC de départ et le PC d'arrivée. Oui, ils ont des passerelles par défaut. Un routeur NAT, ça commence par un routeur. Eh ben donc c'est un routeur, donc ça a la route comme le reste. Simplement, il a une fonction en plus qui est cette traduction d'adresse IP. Vous entendrez souvent translation parce que on a traduit translate par translater, ce qui n'est pas du tout la bonne traduction. Mais bon, on les connaît les Français, hein. On aime bien translater. Et alors que c'est translation, la translation, c'est translation. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on traduit. Transition. Ou en franchouille. C'est la transition. En translation, non, c'est traduction. Traduire. C'est traduire, to translate. C'est traduire. Oui, en anglais. Traduction. To translate, c'est traduire. D'accord. Mais. Non, mais translation, c'est bien. Translation, bon, ça. Moi, j'aime bien. Ça reste la même idée. On remplace une adresse IP d'émetteur par l'adresse IP du NAT. L'adresse IP publique, pardon, du NAT. C'est comme ça que ça fonctionne. L'adresse IP publique, du coup, elle est donnée... Alors là, si on prend, par exemple, on se met à la maison. Ton routeur NAT, c'est ta box. Ouais. Toutes les box sont des routeurs NAT. Donc l'adresse IP publique de ton routeur NAT à la maison, elle est fournie par ton fournisseur d'accès Internet. Toutes les adresses IP publiques
sont données par les fournisseurs d'accès à Internet. C'est comme ça que tu deviens fournisseur d'accès à Internet parce que tu as une plage d'adresses IP publiques. Oui, ils vont acheter un paquet d'adresses. Alors, cette adresse-là, elle peut être réutilisée ? Laquelle ? Celle-là. T'entends quoi par réutiliser ? Bah, parce que tu dis que c'est. Les opérateurs, ils ont un paquet de plages. Ils ont des plages, oui. Ouais, ils ont des plages. Est-ce qu'ils attribuent une IP à chaque box ou alors ça tourne ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Une IP à chaque box. C'est l'idée normalement, c'est que tu as 3000 clients, il te faut 3000 adresses IP publiques. Sauf si tu t'appelles Orange. C'est-à-dire ? Bah, eux, ils font tourner. Ils font tourner. Oui, c'est possible qu'ils n'aient pas assez d'adresses IP par rapport au nombre de clients qu'ils ont et qu'ils fassent du surbooking. Ouais. Non, c'est pas possible. Et que les gens changent d'adresse IP publique régulièrement parce qu'il y a. Non, je crois pas, non. Non, ce serait dégueulasse. Non, ils font pas ça. Ils font pas ça. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, il y en ait autant que de box allumées. Voilà. S'ils comptent sur l'extinction des box, pourquoi pas, ça peut peut-être fonctionner. C'est le surbooking. Ah ben voilà, t'as libéré ton adresse IP, c'est bien. Ils peuvent l'affecter à quelqu'un d'autre. D'accord. Ah bah oui, ça c'est le grand classique chez Orange. Et c'est faire. Enfin, de toute façon, il n'y a que Free qui a des IP fixes. Ouais. Et que chez Free, donc quand tu es chez Free, tu demandes une IP fixe, et ben, elle ne changera jamais, et donc forcément, il te faut autant d'adresses IP que tu as de clients. Forcément. Dans le cas d'Orange aussi. Bah, théoriquement, oui. Sauf si tu comptes sur le fait qu'ils éteignent leur box, ou que tu redistribues l'adresse IP, tu la changes, je ne sais pas ce qu'ils en font. Je ne travaille pas là-bas, tu sais, moi je ne connais pas grand-chose en informatique. Je n'ai pas trop de... Et puis si tu bossais quelque part, tu bosserais chez Free. Non, je bosserai pas chez Free parce que ils sont. Tout est sous Linux chez eux. J'aurais trop de mal. Non. Non, si je bossais quelque part, ce serait chez Microsoft. Ah ouais, je serais content. Ça marche ? Eh ben, on va faire ça. Donc, pour ça, j'ai besoin. On va faire le premier exercice, c'est-à-dire. Vous montez une VM, c'est un serveur, et vous mettez un routeur normal. Sauf que, pour ce routeur, il va lui falloir une adresse IP publique, entre guillemets. Ouais. Sauf que l'adresse IP publique, vous allez considérer que cette salle, c'est Internet. C'est Internet. Je ne peux pas vous donner du 150.150, ça ne fonctionnera pas, parce que, sachez que dans cette salle, ben, vous l'avez peut-être déjà vu, on est derrière un routeur qui est derrière un routeur qui est derrière un routeur. On est déjà derrière trois routeurs. Donc on ne peut pas être directement sur l'Internet. Donc pour la simulation du fonctionnement de l'Internet, l'adresse IP entre guillemets externe de votre NAT, ce sera forcément 172.205.x.254. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est vous monter un serveur 1, 192.168.x.1, passerelle par défaut 192.168.x.254, vous montez un routeur, qui n'est pas routeur NAT, qui est routeur normal. Et ce routeur, vous lui mettez comme adresse externe, donc faites attention, connectez-vous bien sur le V-switch externe. Une carte sur le réseau privé 01, une carte sur le V-switch externe. Et quand vous êtes sur le V-switch externe, vous mettez 172.205.x.254/16, et en interne, 205.24. Et en faisant ça, quand vous êtes sur le serveur 1, vous faites ping 888, ça ne doit pas fonctionner. Ce qui est normal. Et n'oubliez pas, pardon, dans le routeur NAT, de lui mettre sa gateway. Hein. La gateway du routeur NAT, c'est 172.205.0.254. Comme vous allez commencer à travailler avec les V-switch externes, faites très attention. Hein. Si vous commencez à faire des conflits d'adresse IP ou s'il y en a qui se trompent, qui mettent comme adresse externe du NAT 172.205.0.254, vous faites un conflit d'adresse IP avec le vrai routeur NAT, plus personne n'a Internet. Ça se voit assez vite. En général, on s'en rend vite compte qu'il y a eu boulette. Mais plus personne du bâtiment. Non, que de cette salle.
C'est pour ça justement qu'on a tout segmenté. Parce qu'il se trouve que parfois il y a des gens qui font des boulettes dans cette salle, dans les formations techniques. Hein, quand il y a les admins à côté aussi, des fois il y a des petites boulettes, des erreurs. Hein. Des erreurs humaines, ça arrive. Il y a que ceux qui font pas la vaisselle qui cassent pas d'assiette. Mais pour éviter d'emmener l'intégralité de l'entreprise dans la chute, on a cloisonné, on a fait des VLAN. Ça sert à ça, les VLAN. On met les gens dangereux dans une pièce seule, isolée. On pourrait même presque faire un VLAN par poste. Comme ça, vous vous pollueriez pas entre vous, mais c'est plus rigolo quand on fait tomber tout le monde. Là, ce qui est très rigolo, c'est quand il y en a un, il fait la boulette à 21h. À la maison, prise de main à distance sur le poste ici. Ah tiens, je vais monter un ad, boum, erreur, boum, ça le coupe et ça coupe. Boum, tout le monde. Ah, on n'a pas réussi à se connecter depuis hier 21h. Non, personne. Ils ont coupé l'électricité ou quoi? Non. Donc, premier exercice, juste un serveur, adresse AGP, un routeur ordinaire qui n'est pas NAT du tout. Et puis, depuis le serveur 1, vous essayez de faire un ping 8.8.8. Normalement, ça ping pas. Alors, est-ce qu'on a ça? Comment ça fonctionne déjà tout ça? Est-ce qu'on peut mettre, des routeurs? Vous vous souvenez comment on crée des VM? Ah bah ça c'est bien, ça c'est plutôt rassurant. Jusque là ça va. Je sais plus du tout comment faire. J'ai tout oublié pendant les vacances. Alors, est-ce que ça ping? Ça ping pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce beans? IP management. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Donc vous avez vu que comment? Que Zero Shell c'était du Linux? Ouais. Que vous allez pouvoir taper des petites lignes de commande Linux dessus? Et ça c'est chouette? Ça je suis sûr que ça vous fait plaisir. Ouais. Non, faites pas ça. Hein. Faites pas ça, faut pas que vous fassiez ça. De quoi, du Linux? Non, de taper des commandes Linux sous Zero Shell. Parce que c'est un Linux qui est trop recompilé. Ils ont pris les sources de Linux, ils ont tellement modifié ce Linux-là que, bah, en fait, tu vas essayer de les commandes que tu connais et il y en a les trois quarts, ils ne fonctionnent pas. Ce qui est plutôt bien pour la sécurité, parce que ça fait quelque chose qui est moins facilement attaquable qu'un Linux classique, qui serait connu. Mais pour l'administration, là, c'est compliqué. C'est complicado. Alors, ADP. Donc ici, on est sur du 205. Hein. Hop, la gateway. On lui rajoute pas encore le switch externe, hein.
Ah si, 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 si. Ah si, 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 le routeur, il est connecté au vSwitch privé 1, au vSwitch externe. Et tu lui configures sa carte réseau externe avec l'adresse IP 172.205.x.254, la chaise. Un coup de main, Mouna, ou ça va? Il faut lâcher les deux fils en même temps, en fait. Alors, c'est... Non, mais c'est parce que là, il est déjà tout tordu, tout décalé. Voilà. Là maintenant qu'il est à peu près droit. Comme ça. Tu vas juste comme ça. Tu vas descendre en même temps. Sans faire les ficelles les unes après les autres. Très bien. Ça se travaille. Et hop là. Alors, est-ce que le routeur route? Si on essaye de pinguer 888, normalement, ça doit dire délai de la demande dépassée. C'est ça que vous devez avoir. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Alors, ça fait plaisir de retrouver la souris ? Plaisir non négligeable. Ah, ça fait du bien, hein. Là, on peut cliquer, clic droit. Ah, ça, c'est chouette. Et oui. Et voilà, délai d'attente de la demande dépassé. Ça dépasse. Délai d'attente de la demande dépassée ? C'est correct ? Non, ça ne fait pas ça. Ah, ça ne fait pas ça encore ? Non, encore. Ah, dommage. Je pense que j'ai oublié le petit truc. Oui. Sur mon routeur. Quoi ? Les boulettes ?
le masque sur le dos. Quoi c'est quoi? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il? Non? Il se passe rien? Pas de questions? Non, mais faut pas avoir peur de poser des questions! Oula. Deux points. Deux points. Je sais pas pourquoi t'as dit deux points. C'est des points. C'est des espace de point Q, tu veux dire? T'as été t'es traumatisé du VI. C'est ça. Point. Deux points. Point. Hop. Évidemment. Bien sûr. Tu n'arrives pas à ce que je veux, c'est-à-dire? J'ai impossible de joindre le réseau de destination en 4.8.8. Ben, il manque quelque chose. Ah, il faut qu'on le trouve, hein. Ce petit quelque chose. Non. Ça doit vous dire délai d'attente de la demande dépassée. Ouais, mais j'ai ça sur le... J'ai ça à partir du 172, 205, 0, 251. Quoi? Alors, je comprends rien, déjà. Alors, bah, j'ai pris ma passerelle d'abord. Non. Bon. Alors, est-ce que tu peux faire ce que j'ai demandé? Mais j'ai ce que t'as demandé. Donc, est-ce que tu peux faire... Donc, déjà, t'as fait une machine. Ouais. T'as ton serveur 1. Ouais. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur cette machine et me lire ce qu'il y a, s'il te plaît? Ouais. Je voudrais l'adresse, le masque et la passerelle. Adresse 192.168.5.1, masque 24, passerelle par défaut 192.168.5.254. Correct. Maintenant, si tu te connectes à l'interface web de ton routeur. Le mot de passe de Zero Shell? Admin Zero Shell. C'est Zero Shell. Ah oui, donc c'était la mauvaise question. Le mot de passe c'est Zero Shell, mais le compte utilisateur c'est admin par défaut. C'est bon Sony? T'es dessus? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as dans l'adresse IP de la carte ETH 01, par exemple? Si on tente le coup. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit sous tes yeux? Ferme-toi. Il y a écrit ferme-toi. Non. Il y a écrit ajouter. Ferme-toi, ajouter. Non, mais tu les adresses des cartes. De quoi? Tu les adresses des cartes.
C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé l'adresse IP de la carte TH01. Tu peux me dire. T'as deux façons de le regarder. Et l'adresse IP de la carte TH01, c'était. 172.205.5.254. Ok. Et qu'est-ce que tu as dans Passerelle par défaut ? J'en ai pas encore mis. Et ben voilà, donc tu n'as pas fait ce que j'ai demandé. C'est pour ça. Non, et voilà. Donc le petit train, bah t'as pas fait le petit train non plus. Non seulement t'as pas fait ce que j'ai demandé, et t'as pas fait le petit train pour te dépanner. Je suis très déçu. L'année 2023 commence sur les chapeaux de roue. Il va falloir tout refaire alors. L'écoute active, la méthodologie, tout a été jeté à la poubelle. Lire de gauche à droite. Lire de gauche à droite, ouh là là, ça va en faire des choses. Hein. La réponse est sur Twitch pour ceux qui se souviennent plus comment est-ce qu'on configure la passerelle par défaut d'un routeur zéro shell. Ah non, mais c'est, on révise un peu comme ça, on en profite pour refaire. On dérouille. Oui, je sais que vous avez l'habitude de tout faire sous Linux en ligne de commande, d'éditer les fichiers pour faire ça. Là, ça se fait un peu à la souris. Ça, c'est moins fun. Voilà, on clique sur les boutons. Tu cliques sur les boutons. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas? Si. Ah, mais parfait. Attends, je pense que j'ai là-dessus. C'est longtemps que j'ai pas mis une scène. Il y a un problème. Si, parce qu'on faisait dans
entrer la défaut gateway dans la mine, c'est prochain. Avant, on va entrer la défaut gateway. Si, on l'a eu fait, bien sûr que si, on l'a fait. On l'a fait une fois ? Oui, on l'a fait quand on a fait du réseau. Oui. Bien sûr, on l'a fait. Plusieurs fois même on l'a fait. Oui. Bah, on l'a pas fait très souvent. Parce que bon, on a fait plein d'autres choses après, de l'AD, et puis maintenant on revient, etc. Je sais que c'est pas ça. C'est pour ça que je gueule pas encore trop. Ça viendra après. Voilà, je vais aller le chercher. Tant que je suis pas allé le chercher, ça va. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire... Non, ça fonctionne pas ? Moi, j'ai toujours en cours de config. C'est en cours de configuration, bah, il faut configurer. J'ai trouvé une chambre à air dans mon atelier, je change ma chambre à air, je change mon vélo, ça marche, je pars la semaine dernière pour repartir à vélo, bim, recrevé. Putain, j'en ai plus, donc j'ai dû aller en acheter ce week-end. Alors, la chambre à air que j'ai trouvée, si tu veux, c'était dans mon merdier. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, il y a eu... disons qu'elle était dans la boîte de clous. Bon, elle était old school. Elle était rangée, si tu veux. Peut-être que ça joue. T'as réutilisé une très vieille VM là. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, faut pas recycler. Non. Faut pas recycler les VM machin parce que il y a des trous. Ça a l'air bien gonflé, tu vois, ça tient. Et puis le lendemain, tout est à plat. Anto, il y a droit dans 10 minutes, c'est ça? Ça m'est arrivé, mais j'avais une impureté dans le pneu, donc ça recrevait. Ah ouais, alors là en plus, j'ai mis un pneu tout neuf. En plus, c'est un pneu que j'avais acheté il y a longtemps, les pneus renforcés. Sur la bande de roulement pour éviter de crever. Là, si c'est ton. Ça m'étonnerait que le pneu neuf ait déjà des clous dedans. C'est ton pneu qui crève. Ça fonctionne bien, mon mari, il en a mis là. Ouais, moi, j'en avais une sur la roue avant. Depuis que j'ai mis ça, je ne crève plus jamais. Là, c'était la roue arrière qui crève. Moi, il crève toutes les semaines. Est-ce qu'on passe dans la forêt et tout? Non, c'est pas ça. C'est la bande de roulement du pneu qui est renforcée. D'accord. Mais il n'y a pas ce système. Alors, attends. J'ai une pote qui a mis ça sur le vélo électrique. Elle a mis. C'est pas crevable avec un de boudin, tu mets qu'une fois. C'est ça, t'as des trucs où c'est un pneu, il est plein. C'est de la mousse. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins dur que les pneus. Ouais, c'est pas tendu, ça reste mou, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et j'avais regardé ça, il n'y avait pas beaucoup de retours à long terme. On savait pas, au bout d'un an, deux ans, trois ans, t'as fait des milliers de kilomètres, le truc. C'est bien si tu fais que de la route, quoi. Oui, et peu de route. Et alors, si c'est un vélo électrique, ça va, c'est pas trop elle qui pédale. C'est pas violent. C'est pas violent. Voilà, donc bon, si c'est le moteur qui pédale. Deux, trois potes qui ont essayé qui m'ont dit. Moi j'ai un pote qui m'a dit dans la côte, je double les mecs qui sont en vélo équipés avec une clope. Ouais, bah moto c'est pareil, c'est un connard. J'espère qu'il leur fait des gros doigts en passant. Alors, feignasse, pédale. Là, c'est un débile. C'est juste un con. Il peut faire la même chose en bagnole, hein, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et puis là où les mecs vont bien se marrer, c'est quand il sera à mi-côte et que. Ah, plus d'électricité. Et là, il va falloir pédaler. Et j'espère qu'en montant, les mecs à vélo, ils vont lui mettre des coups de latte en passant. C'est sympa, le vélo électrique. Là où je rigole, c'est quand je les double dans la descente. Ça, c'est très marrant. Parce que les mecs sont. Limités. Ouais, mais j'ai l'impression que t'es limité et ils ont un peu les chocottes en descente ici. Bah oui, donc toi, c'est lourd, hein. Le vélo est plus lourd. C'est très lourd, un vélo électrique. C'est lourd, hein. Ah oui, c'est lourd. Après, ça dépend. Si tu prends celui d'Armstrong, eux, ils ont des vélos électriques ultra légers. Mais c'est pas l'électricité cachée dans la selle. Ah, je sais pas où. Ils avaient réussi à cacher des trucs au centre du pédalier. Ils sont trop forts, hein. Les batteries sont dans le tube, sont bien cachées. Ouais, c'est bien caché. Et puis les mecs, ils crèvent juste en bas de la montagne. Oh, j'ai crevé, vite, un nouveau vélo. Les
Qu'est-ce que c'est que ces soupçons? Qu'est-ce que c'est ces soupçons de tricherie alors que tout ça c'est que des athlètes de haut niveau? Tout simplement. Ça roule à l'eau claire. Bah alors ça pigne toujours pas? Si c'est bon? Comme quoi? Ah bah c'est pas bon, il y a écrit 0. Effectivement, c'est pas bon. Non, c'est 7-1-0. Quand tu fais le choc, ça touche la roue. Mais non, c'est mieux en vélo électrique parce que bah, pour tous les trajets tous les jours, la petite derrière, elle est plus pratique. Oui, oui, oui. Même si je m'en sers quasiment plus. Mais moi non plus, j'ai pas exactement ce que je vélo aussi. Moi j'aime même VTT, je préfère VTT que le Nordique. Je suis en inversion, j'aime pas les vélos. C'est bon? Donc ce que vous allez faire, c'est de la magie. C'est-à-dire que votre routeur, pardon, qui pour l'instant est un routeur ordinaire, vous allez le convertir en routeur NAT en activant la fonction NAT dans Zero Shell. Donc pour l'activer la fonction NAT dans Zero Shell, il faut que vous alliez dans l'interface graphique, dans le GUI du Zero Shell, dans la partie là où vous mettez les adresses IP, Setup, Network. Il y a plein de petits boutons en haut, dont un qui s'appelle NAT. Et c'est comme ça que vous allez activer la fonction NAT de votre routeur Zero Shell. En cliquant sur NAT, ça vous affiche une fenêtre. Dans cette fenêtre, vous avez les interfaces que vous pouvez sélectionner. Donc, il faut faire attention. Il faut sélectionner et ajouter l'interface qui est connectée sur le V-switch externe. C'est celle qui est à l'extérieur. C'est sur celle-là qu'il va falloir qu'il fasse la traduction, la translation. D'adresse IP. Donc il faut être sûr qu'on l'ait appelé ETH01. Exactement. Dans mon exemple à moi, c'est ETH01. Mais vous, c'est peut-être ETH00. Je ne sais pas. Ou 03, ou 04, ou 05 pour ceux qui ont mis 5 cartes réseau, alors que je ne l'avais pas demandé. Mais ça, après, il faut choisir la carte qui est configurée dans notre exemple en 172.205.x.254. C'est celle-là qu'il faut ajouter dans le NAT. N'oubliez pas de cliquer sur Save. N'oubliez pas de faire donc échappe de point Q. Ça c'est que des blagues de linuxiens. Hein. Ça, il y a que les linuxiens les. On l'a pas assez là. Vous avez pas fait vieille? Non. Échappe de point Q. Il vous a pas fait vieille? Ah non. Non. Pas encore. Bon, ça va venir. Non, okay. Alors. Bon Mouna, va falloir que tu fasses quelque chose. Pourquoi? Va falloir que tu arrêtes de prendre des captures d'écran avec ton appareil photo. Je t'explique pourquoi. Le jour du titre, vous avez des captures d'écran à faire, à mettre ça dans un document Word. Tu n'auras pas ton téléphone. Oui, je sais faire des captures d'écran. Non, alors bah, tu le fais maintenant. Tu t'entraînes à partir de maintenant à le faire. Mais je sais le faire déjà. Alors pourquoi tu le fais pas? Bah, parce que c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Ok, comme tu veux. Je veux pas te voir sortir du titre en disant « Mais j'ai pas pu le faire, ça marchait pas, le CTRL-V, j'avais de la merde. » Non, mais je sais. Je veux. Non, bah très bien. C'est pour toi, hein. Oui, je veux. C'est pour toi. Très bien. Mais je sais faire les deux, en fait. Ah, si tu le dis. Mais j'aimerais bien que tu le fasses. Mais bon, apparemment, tu veux pas faire ce que je te demande de faire. Non, moi, j'ai compris. C'est moins pratique pour moi de faire là comme ça. Mais c'est pour des raisons pratiques. Dans la vraie vie, c'est rarement comme ça qu'on fait. Hein. Dans la vraie vie, on fait des captures d'écran sur les machines. Dans la vraie vie, à l'extérieur, je fais des captures d'écran. Ah, mais il n'y a vraiment que là, alors, en fait. Il n'y a que ici, il n'y a que pour moi, en fait. Il n'y a que parce que je ne te demande pas de le faire que tu le fais. C'est exactement... Ah, c'est juste pour me faire chier, alors. Ah, c'est juste pour ça. Ah, ben, ça fonctionne très bien. Je te félicite. Donc, vous avez ajouté le NAT? Vous avez savé? Oui. Eh ben, vous refaites votre ping 888, qui ne fonctionnait pas, normalement... Il y a quelques secondes, et maintenant, et ben ça y est, ça ping, voilà, ça y est. Ça va faire du NAT. Oui, bah les deux semaines sont finies là. Deux semaines. C'est dos. Ah non, c'est bon, bah on va mettre... Je vous mets quoi? Je vous mets Gulli, Netflix, on regarde quoi? Gulli? Ah bah c'est les gosses. Les gosses, c'est 4 Gulli. Là, ils ont grandi maintenant, c'est fini Gulli. Ah, c'est Netflix, YouTube... Porno. Porno. Enregistré sur Twitch, qui va rester à la vie sur YouTube. C'est ça.
Non, 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 les enfants font pas ça. Ils en ont plein d'autres. Ils doivent avoir beaucoup mieux que nous. Oui. Snapchat, c'est bien, tu vois. Je sais pas, j'ai pas d'amis dessus. Alors, Snapchat seul, c'est pas fou. C'est calme. Ouais, c'est plutôt calme. C'est calme. C'est vrai que c'est. Le risque est faible. C'est calme. Enfin, tu peux t'auto-envoyer des trucs si tu veux. Bah, ça t'occupe. Ça t'occupe, mais c'est pas. D'aller glisser et dire je veux des potes sur Snapchat, ça va être mal pris. Donc. C'est possible que ce soit mal pris. Surtout par les parents. J'aimerais que tu demanderas. C'est bon, Sanat? Sanat. Est-ce que vous avez fait un petit tracert de 888? Allez, c'est parti, cool. Je suis bien tracert, c'est mon ami. Ça fonctionne bien, tracert. Ça fonctionne bien. Et quand t'as les noms, tu t'emmerdes, tu peux faire monter pour avoir les adresses. Oula, ça va durer longtemps? Non, t'as 8 ou 9 pots. Au max. Ah, non, t'as 8 ou 9 pots. Ouais, 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 tu fais pas plus. Bon. Oui. Ça va, on va pas faire 3 fois le tour de la Terre. J'espère. Ah oui, c'est parce que oui, parce que quand on a fait le ping directement, on a le nombre maximum de millisecondes. On a surtout la réponse que de l'émetteur. Que du destinataire, pardon. T'as directement la réponse du destinataire, tandis que là, t'as tous les routeurs intermédiaires. Ah, ce qui était important de voir là, c'est que vous êtes, ça a été envoyé à votre routeur NAT, puis du routeur NAT au routeur de la salle, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis on va part ça. Après, ça part sur l'internet. Mais sachez que nous aussi, on a un routeur NAT. En fait, là, vous avez mis un NAT derrière un NAT. Bien, et oui, parce que le 172.205, même si c'est public, on l'utilise comme adresse IP privée. Et c'est quoi C2, VLO, CA, LTC, CA, LTC, Backdoor, Adista.fr, c'est le routeur de chez Adista, qui est notre fournisseur d'accès Internet. Et tu refais le même avec moins D? Notre FAI, c'est Adista. D'accord. Ok. Avec moins D, t'as que les adresses. Ah, oui. Tu viens rien. Non, parce qu'on a fait la même commande, c'est pour ça que je voulais. Ouais, ouais, mais la dernière fois, j'avais trois fois des noms et là, j'ai que des adresses. Ça, je l'explique pas. Donc jusqu'au cinquième saut, tu dois être encore 8, en France, le sixième, et puis après tu pars. On part ailleurs. 116, on s'en prend. On part dans une autre galaxie, dans d'autres routeurs. Donc, une remarque importante, et vous allez faire un petit essai. Les ordinateurs qui sont derrière un NAT, tout ce qui est derrière un NAT est invisible. Injoignable, impingable, etc. Par exemple là, depuis votre serveur 1, vous pouvez pinger 888. Ouais. Vous pouvez pinger n'importe quoi qui est après votre NAT. Ouais. Mais l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas pinger un pote. Exactement. C'est ça. Vous êtes tous sur le même réseau externe. Ouais. Vous êtes en 172.205. Alors j'ai mis X, mais il peut y avoir 1.254. Il va y avoir 2.254. 3.254. 4.fixe. X. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vais aller chercher Anthony. Bonjour. Anthony? Est-ce qu'il est dispo déjà ou pas encore? Il est disponible. Toujours. Je ne sais pas qui c'est le deuxième. C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'est Kevin. Comment? Non, ah, je crois. Je sais pas, je t'ai donné la liste. Je sais pas, moi la liste, je l'ai effacée. Anthony, je vous ai dit ça la semaine dernière. Ça sert à quoi que je vous parle là? Tu t'as dit à Jérôme de venir, je sais pas. Anthony, c'est Charlie, le deuxième. Ah bon? C'est pas moi. Ah bon? Anthony, Charlie, Sonic, Kevin aujourd'hui. Ah bon? Anthony, Charlie. Il n'avait pas dit ça. Eh ben c'est bon, t'as une heure pour te préparer. En fait, vendredi, t'as dit Jérôme. Mais, est-ce que j'avais lu? Il y en a 4 aujourd'hui. Il y en a 4, on a dit Anthony, Charlie, Sonic, Kevin. Ok. Et demain, Jérôme, Marina. Courage, hein. Et Camille. C'est pas gagné avec lui, hein. Il y aura Camille demain. faut que tu changes ton nom de famille, hein, Mouna. Ce sera Camille. Ah, c'est Camille, mon nom de famille, d'accord. Ce sera Camille. C'est pas grave. De toute façon, c'est un truc fictif. Oui, je m'appelle Camille pour un entretien. Tu te rappelles même plus l'annonce pour laquelle tu as postulé? D'accord. Bon, bah, regarde vite fait là. Regarde ce que tu as envoyé de fait. T'as un petit peu de temps là. C'est censé passer à 11h. Ça va aller? Donc, on peut pas pinguer les potes. Essayons. Essayez.
depuis votre serveur 1, de pinguer le serveur 1 d'un pote. 192.168.RCX, je vais faire par exemple 1.1, admettons. Parce que si on fait le petit train, c'est normal. Vous partez de votre serveur, est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que vous? Non, on s'envoie ça, ça passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est votre routeur NAT. Le routeur NAT, il envoie ça, ça passerelle par défaut. Le serveur externe, il ne connaît pas le numéro de réseau. Là, exceptionnellement, oui. Je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Bah, si je le ping depuis mon serveur 1, qui est en 192.168.5.1 et que je ping 192.168. Eh non! Bouge pas! Je suis tout seul. Bouge pas. Pif, voilà, j'ai rien dit. T'as rien dit? Mais j'ai rien entendu. Non, mais tu vois, j'ai rien dit. Ouf. Bah, moi, j'ai rien entendu, hein, donc. Non, mais là, ouais. Rien. Il voulait parler, il disait, bon, le foie gras pendant les fêtes, faut arrêter. C'est un masque de 24 et tout. Là, il a dit, dry January, il a dit. Voilà, donc non, ça ping pas. C'est plus petit, ça ping pas. Ça ne ping pas. Donc voilà, tout ce qui est derrière un NAT, c'est invisible. Impingable, injoignable. C'est normal, c'est parce que la seule adresse IP qui est visible, c'est l'adresse externe du NAT. D'accord. C'est la seule qui est vraiment routée sur le réseau, etc. Donc l'autre, elle est... C'est un super firewall. C'est carrément mieux qu'un firewall. C'est carrément mieux parce que c'est comme s'il n'y avait pas de route. On est inaccessible. C'est complètement inaccessible. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on me dit, mais je ne comprends pas, à la maison. Je fais IP config sur mon poste. L'adresse IP de mon PC à la maison, c'est 192.168.1.1. Oui, il le fait souvent 1.1. Et puis quand je vais chez mon voisin, je fais IP config, et son adresse IP à lui, c'est 192.168.1.1. Et puis quand je vais chez un voisin et un autre, j'appelle la famille. Partout où je vais, dans toutes les maisons de tout le monde, c'est la même adresse IP. Et pourtant, il n'y a jamais de conflit d'adresse IP. Il n'y a jamais aucun problème. Quand ils font monde, bah, c'est normal. Parce que c'est l'adresse externe qui est utilisée sur Internet. Et celle-là, par contre, elle est toujours unique. Ouais. Donc, tout va bien. On va rendre les choses un petit peu plus compliquées. Ah, ouais. Hein, quand même. Parce que là, c'est un peu facile. Ça rigole. Bon. Allez. Si on rajoutait des petites choses. Bon, alors, quand on est toujours dans la révision, là... Hein. On va faire un truc facile. Est-ce que sur votre serveur 1, vous pouvez m'ajouter le rôle serveur DHCP, s'il vous plaît? Avec une petite étendue. Vous mettez ce que vous voulez comme étendue. Pas grave. Et une fois que vous avez créé votre étendue, vous allez m'ajouter aussi un petit client. J'ai un petit Windows 10, un petit client DHCP. Hein? On est bien. On est bien. Rajouter quoi pour Anthony? Lui faire écrire. À le faire à sa place? Non, il le fera. Tu vas quand même pas aller sur sa maquette faire des trucs à sa place. De toute façon, t'as pas son mot passe. C'est ça. Tu l'es bouillé en milieu. Oh non, ça y est. Il a laissé sa session ouverte. Énorme. Oh, on va se marrer. Hein. Un écran à l'envers en javanais, tu veux dire? Allez, un écran à l'envers en javanais. C'est pas mal le javanais. Hein. Parce que c'est dur à voir, à reconnaître les lettres. Il faut faire un autre serveur aussi? Ouais. Hop. Un client ou un deuxième serveur? Ah, je sais pas, vous avez l'habitude de voir les petits symboles comme ça? Ça vous rappelle des choses? Ok, ok. Donc, hop.
un deuxième client, un deuxième routeur, un deuxième serveur, un deuxième client, client DHCP évidemment, hein. Les deux clients sont deux clients DHCP, et le deuxième client, le premier que vous créez là, il ping 888 et ça fonctionne, le serveur que vous mettez là, il ping 888 et ça fonctionne, le client DHCP que vous mettez là, il ping 888 et ça fonctionne. Ah bah maintenant que ça y est, qu'on ping du 888, je veux que ça ping de partout là, c'est... On en rajoute, on en ajoute hein. Là les petites roulettes sont parties. Ah non, on est au monde en 2023, on est off roulette là. Hein. C'est terminato là, c'est tout, 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 faut que ça... Faut que ça revienne correctement là, donc... Je vous ai pas mis les adresses IP du routeur, hein. Vous mettrez les adresses que vous voulez, vous mettez quelque chose... Je vous ai juste mis 10.x, hein, pour le deuxième réseau. Il est en 10.x, comme ça. Ah bah t'as réparé la queue... Il avait juste déboîté la queue. Il faut leur en faire un autre, mais pourquoi je ne veux pas trop le temps de faire du chien. Ben oui, il s'occupait des phares. C'est ça. Je reviens pas à cette histoire de phares là. Que ça... On a fini par être obligé de changer les blocs en entier, c'est fou ça. La voiture est vieille. Quand le bloc extérieur de 2007, le phare. Elle est de 2007. Ça commence à faire quelques années. Le dehors et le soleil. Ouais, 2007, c'est bon. Les feux. Non, mais t'as changé quoi? Côté plastique. T'as tout le phare. Tout le phare. Non, il a dit le. Pour pouvoir changer une ampoule. En fait, c'est pour faire de la révélation sur le dessus du phare pour que ça soit clair. Parce qu'il passe pas au CD. Mais derrière, c'est piqué à l'intérieur. Ah, d'accord, ok. Donc tu peux pas révéler l'intérieur du phare. Ouais. Et pour faire la révélation, tu l'avais fait toi-même ou... Oui, avec les produits, les plusieurs papiers de verre à passer, à frotter. Puis après, c'est facile à faire. C'est chiant. T'as pas une visseuse qui tourne pour polir, c'est à la main. C'est les optiques des phares des voitures. Avec le temps, elle... Ouais, je sais, j'ai une voiture de 99, il faut que je fasse. Ouais. Bon, voilà. Moi, si je vois rien. Si t'as une visseuse qui a quelque chose pour polir, c'est plus pratique. Faut que je le fasse sur la police. Enfin, bon, faut que tout le monde le fasse. Voilà. Tu files des petits papiers, ouais, c'est chiant, tu frottes. On doit la passer au contrôle technique, là. Ça m'en souffle. Ouais, c'est pas... Il n'y a pas de contre-visite pour ça, normalement. Si le mec, il est cool... Ça doit dépendre du niveau, à mon avis, d'opacité. Il y a deux ans, il nous a dit c'était limite, tu vois. Ah, ben si, il te l'a déjà dit, oui. Ouais, ouais. Donc moi, là, moi la police, on en a un qui... Moi, c'est déjà écrit au dernier contrôle technique, ouais, ça il a écrit... Ça fait trois fois que je le fais, et puis, la dernière fois, c'est suite, c'est pas longtemps. Ouais, non, il nous l'a dit, que la prochaine fois, ça passerait pas. Quand t'as un regard, les reflets sont un peu jaunes, c'est pas... Ah ouais, ça fait 6 fois que je le fais, il n'y a plus de verre en fait. J'achète directement les ampoules. Le plastique est un peu jauni d'intérieur quoi. Donc c'est pas cool. Et à faire, c'est donc tu dis ça s'appelle le. Mon révélateur, il y a deux passages. Il y a deux passages avec deux produits différents et il y a plusieurs types de ponçage. Il y a des ponçages un peu plus agressifs. À la Dremel, il va falloir un peu de temps. Non, c'est des papiers très très fins. Donc en fait, tu commences par un papier qui est assez agressif, donc tu enlèves des impuretés. Et plus tu penses très très fin. Donc tu as moins d'impuretés, tu penses pas. Je comprends pas ce que tu dis. Tu penses que le dessous. Mais la surface du verre, là, ton phare. C'est pas du verre, c'est le dessous. Le devant. Non, il faut lui faire des dessins. Il faut lui faire des dessins. Là, là quand t'as une voiture, l'avant d'une voiture, t'as les optiques là. Regarde, tu vois ça, le verre là. Il devient plus transparent. Il devient opaque. Tu reconnais la façade d'une voiture là? Voilà, là, il y a des ampoules là, dedans là. Finis-toi le cette partie là. À force, l'avant, tout ça, ça devient opaque. Ah, c'est vraiment opaque quand t'as des voitures qui sont assez bien. Au début, c'est bien transparent, puis après, c'est translucide. Parce qu'après, t'éclaires plus quoi. T'éclaires plus assez pour passer. Ah, bah après, ça éclaire plus. Donc, il faut poncer cette façade là. Faut la poncer. Donc, avec ce plastique, ça change pas. Non, ah, bah oui, il faut changer l'optique en entier. C'est le feu entier, c'est ce qu'il a fait. Oui, en entier. Et après, faut trouver aussi. Ah, avec l'âge des bagnoles. Oui, c'est ça. Si des parties qui se mettent sur les visseuses, non, mais regarde, il y a ça sur. Ils sont comme ça. C'est sur Amazon, ça vaut 34 euros. Le kit avec
truc rond que tu mets sur ta perceuse. Ouais, ça sera plus simple. Ouais. 26 euros. Rénovateur de phare. Merde. Pas beau ça? D'accord. Ah oui. Toutes les pattes. Ah bah je vais peut-être acheter ça plutôt que de faire faire. Bah ça dépend combien c'est à faire faire. Si le mec il prend 10 balles, ça va? Non, il demande 50 balles. Coûte le phare, il demande 50 balles ouais. Ah ouais, ouais, ça marche pas. Les deux. Ouais, ça marche pas forcément très bien. Nous on l'avait déjà fait. Ouais. Ouais. Tu l'avais fait toi-même? Non, non, on l'avait fait faire. Ah, tu l'avais fait faire? Ouais. Mais c'était pas. Ah là 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 là. Non, va falloir aller voir les commentaires. Ouais. L'école, c'est ce qu'on fait, hein. De toute façon, on lit les évaluations. 262 évaluations. Le truc, 4,3 sur 5, ça doit être pas mal. Ah, ça doit pas mal marcher. Capacité modérée. Ah. Après, faut prendre son temps, faut avancer, resurveiller, regarder. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, il faut le faire soi-même bien. C'est ça. Ok. Au moment, il est tellement bien à l'intérieur que on a la peine de. Je cherche à se voir. Ah, bah ça va, il a arrêté de. Oui, ça fait juste, ça fait bien changer. Bah, avec le vent, ça fait bien pousser là. Ça a l'air de bien marcher ce truc-là.
Petite question sur les adresses IP, là, que tu as marqué. En bas, c'est la passerelle. Là ? Ouais. Non, c'est l'adresse IP du serveur. Et en haut, c'est quoi ? C'est le numéro de réseau. Ah, voilà. Si tu veux, sur Twitch, je t'ai mis la configuration de mon serveur. Ah oui, bon, moi, j'ai mis. Regarde, j'ai mis 10.29.0. Parce que je suis quelqu'un de plutôt triste, moi. Je suis pas un gros fêtard. Je fais pas dans l'originalité. Là, je fais dans le bassement basique. Manquait ? Non, il manque. Il manquait quelque chose. Il manque encore quelque chose. Il manque des choses. Ah oui, oui, oui. C'est... Enfin, je ne vous ai pas tout dit. Ouais, enfin, si, je vous ai tout dit, ce que je demande. Oui, je pense. Et vous savez tout faire. On va voir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de choses que je ne vous ai pas déjà appris. D'accord.
Voilà, pour faire tout ça, vous avez besoin de rien de plus que les connaissances que vous avez déjà, sachant qu'au niveau du NAT, ça y est, c'est fait. Le NAT. Le NAT fait son travail, donc lui, il est... La fonctionnalité NAT fonctionne bien. Switch, qu'est-ce qu'il y a les Switch ? Un premier Switch ? Ah non, pas. Ah ok. J'ai quoi ? Non, j'ai pas vu, il y avait un routeur qui était rajouté. Ah bah oui, là j'ai rajouté un routeur pour le nouveau réseau. Hein. Ok, ok. Étape 1, mettre un DHCP avec un client DHCP, le client DHCP ping 888. Tout va bien. Et étape d'après, on rajoute un routeur, un réseau en 10.x. Avec un serveur ordinaire et un client DHCP. Dans mon idée première, je pensais que tu l'as rajouté sur le routeur NAT, en fait, et qu'on rajoutait une carte réseau sur le routeur NAT. Absolument pas. Okay. Non, c'est pas ce qu'il y a sur le dessin. Enfin, c'est parce que je souhaite que vous fassiez. Maintenant, si tu veux le faire, fais-le. Je donne que des conseils. Je sais très bien que vous en faites qu'à votre tête. Hein. Même en 2023. Je suis sûr que quand je vais commencer à regarder, mais attends, pourquoi t'as 4 routeurs ? J'en ai que deux, ou pourquoi il n'y en a qu'un seul? Je comprends pas, ton routeur, il a 5 cartes réseau. Je m'y attends, que bon. Vous n'alliez pas rester sur les sentiers battus. Déjà, première étape, serveur DHCP, client DHCP, est-ce qu'il y a des problèmes rencontrés dans cette première étape ? Non. Et le client DHCP, il ping 888. Formidable. Bon, on va pouvoir faire la pause alors. Est-ce qu'il se passe des choses à la pause ? Je sais pas, de la nourriture ? Nourriture ? Non. Manger. Non. Manger. Non, il n'y a pas de ça. Non, non, fais attention maintenant, on est en sèche, va falloir éliminer tous les excès des fêtes. Bientôt le ski. Oh. Ah, s'il y a de la neige. Oui, bah, oh, bah là, ça arrête pas de tomber, là. Ça y est, c'est les... C'est les tempêtes de neige, là. Il n'y a pas un mètre de neige qui est tombé, là ? Je sais pas. C'est une boutade. Ah. Ah, c'est pas, il neige toute la journée, tiens. Voilà. Aujourd'hui, lundi... Cette nuit, il a neigé. C'est ce que disait la météo. Et ben voilà, c'est tout blanc. Parfait. Tu vas à la neige ? Je vais à Pyongali. Ah, c'est une super station. C'est une petite station familiale. Pour les gens qui ne skient pas, est-ce qu'il y a des petites activités autour qui sont sympas ou Ouais, moi je vais au ski pour... Ben je skie pas. Pourquoi tu vas déjà ? Donc c'est la bonne question. Ah, elle ne skie pas. Alors, c'est compliqué parce que le Pyongali, la station, c'est là où il y a les pistes en fait. Contrairement si tu vas à Salari, le village il est en bas de la vallée et la station, il faut prendre les œufs. Donc à Salari, t'as gavé d'activités, tu peux faire plein de choses, c'est beaucoup plus accessible, il y a beaucoup de, voilà, de contenu hors ski à Salari que à Pyongali. À Pyongali, ça va dépendre des conditions. Mais si tu te dis, ah, elle fait de la rando par exemple, t'es dans la neige. Hein. Justement, t'es tout en haut, t'es déjà en haut de la montagne. Donc ça monte tout de suite, hein, la rando, si t'en fais, c'est pas de la balade. C'est de la rando. Et il y a un truc de balnéo. Donc si tu veux faire trempette,
Sinon, c'est quand même très orienté ski. Hein. C'est une station de ski, quoi. Oui, c'est une station de ski, ouais. c'est vrai. C'est un peu le principe station de ski. Je peux proposer à madame de la laisser en bas. Non, mais non, là, c'est bah, à Salary, oui. À Salary, oui, mais pas. Voilà, si ton objectif c'est moitié activité ski, moitié activité pas ski, je pense que Salary c'est mieux. Ouais, mais il y aurait pas une partie avec un rayon de soleil et tout là. Pour elle, Oui, mais voilà, non, mais si chacun doit faire son activité, toi, tu prendras les œufs, tu iras skier toute la journée ou la demi-journée et tu redescends la retrouver, et elle au moins au village, parce que c'est un vrai village Salary. Ouais, c'est un vrai village, t'as le marché, t'as plein de trucs. À Saint-Lary, à Pio, t'as rien. Enfin, t'as le ski. T'as les pistes. T'as les pistes, t'as trois restos d'altitude. Pour ceux qui veulent faire du ski, c'est super. C'est le pied. C'est le pied. Ceux qui font pas du ski, à moins qu'elle fasse ski bar. Alors si elle fait ski bar, il y a des bars. Ça, il y a des bars, comme dans tous les trucs de ski quand même. C'est rassurant. Ben non, ça peut être aussi son objectif, c'est de faire rien. Vaquer, c'est les vacances. Et vac. Ça pigne, c'est bon ? Ouais. Ça y est, les clients et le deuxième serveur, ils pingent 8-8-8. Ah non. Ah bah non, ça pigne pas. Bon bah c'est bon. Pas encore. Eh ben et alors ? Ouais, bon, on fait la pause. D'accord, j'ai compris. Allez. Je fume un café. C'est l'heure de la pause. Allez, va fumer un café. Allez, on va faire la pause. À tout à l'heure. On fait la pause. Ah bah ça va ping, c'est bon. Mais oui.
Alors, est-ce que ça ping? Ça ping 8888? Ou pas? J'ai le serveur. Non, pas le 2. Pas le 2? Ah. Le client 1. Des stations. Ouais, mais je sais. J'ai l'impression de les avoir faites, mais quand je vais être assertée, ça s'arrête au début. Ah, ah bah c'est qu'il y a boulette alors? Ben oui, mais j'arrive pas à l'avoir. Il y a forcément boulette. T'es sûr, il y a boulette, mais je sais pas où. Tu peux me redire un peu ce qu'il faut faire? T'en es où? J'ai créé. J'ai fait le DHCP, j'ai fait deux clients, un serveur. Non, c'est le routeur, après je configure le nom du coup. C'est quoi qu'il faut tester? Non, mais là, donc t'en étais le serveur 1, il ping 888. Ouais, voilà, j'étais là. Le client 1, qui est un client DHCP, est-ce qu'il ping 888? C'est là-bas. Et c'est ça qu'il faut tester. Ok. Déjà. Il manque le 8.8.8. Sonny, tu peux venir voir s'il te plaît? Oui. Tu vas me dire, mais oui, c'est ça. Eh bien, celui-là, tu vois. Tu sais pas encore fait, mais vas-y. Celui-là. T'es chez qui là? Donc, Anthony, t'as vérifié là? Est-ce qu'il ping 888? Qui es-tu là? T'y vas? Serveur 2. Ouais. Donc, fais-moi un IP config juste base. C'est comme d'habitude, ping ta passerelle. D'abord, en premier, ping ta passerelle. Ça paraît bête, mais. Ça veut dire que physiquement, t'as bien relié le bon fil. Sinon, très bien. Donc, maintenant, dans cette maquette-là, il faut ajouter de l'autre côté. Un deuxième routeur. Ouais. Il y a une entrée. Un deuxième réseau. Que tu connais par cœur. Qui est en 10.x. Cette deuxième adresse. Un deuxième serveur qui n'est pas serveur DHCP hein, et un deuxième client qui est client DHCP. Et il faut que le serveur 2 et le client 2 ping 888. Si tu pinges plus loin et que ça ne revient pas, il te manque une statique. C'est ça qu'il faut ajouter. Souvent, celle du retour. Je sais pas laquelle. C'est fais un prêt sur T, tu regardes où il s'arrête. Ça s'arrête. L'endroit où il te renvoie la réponse, c'est le coup précédent. C'est le coup suivant où ça coince. Là où ça coince, il ne te renvoie pas de réponse. C'est au début en fait que ça. Au début. Ah, mais tu pinges directement ton... Ah, pourquoi pas? Ben, est-ce qu'avec ton serveur, par exemple, est-ce que ton serveur 2, tu peux pas pinger ton serveur 1? Déjà, est-ce que... Comme ça, tu sauras les statiques. 8.8.8 avec le serveur 2 ou... Ah oui, déjà. Je comprends pas ta question. C'est quoi ta question? Là, je suis sur mon serveur 2. Oui. Mon client 2. Oui. Il le ping, le serveur 1. Le serveur 1, le client 1. Ouais. Ça ping 8.8.8.8. Le serveur 1, il ping pas 8.8. Si, si, si. Si. Ben, il faut que le serveur 2 ping 8.8.8. C'est... Et donc, c'est quoi ta question? Non, c'est bon. En fait, il faut que le serveur 2 ping 8.8.8.8. Correct. On s'arrête pas juste avant. Ben, non, c'est ça l'exercice d'ailleurs. C'est l'objectif de ce que vous devez faire. Vous devez faire en sorte que le serveur 2 et le client 2 et le client 2 aussi ping 8.8.8.8. C'est ça l'exercice. L'un de vous doit le faire. Ah, je déconne, tout le monde doit le faire. Non, tous. It can be only one. On l'a perdu. C'est ce que tu veux dire? T'as combien de routes statiques, Kevin? T'as bon. Comme toi. Une de chaque côté. Ça va ou pas? Je vais vérifier. Non, pas que le.
Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ce langage ? C'est incroyable. Il faut... Des problèmes, apparemment. Bah, on a l'air d'être statique. Ça ping pas ? Non. Ah. De la 1 à la 2, oui. Mais j'ai mon agent de relais qui fonctionne parce que le client 2, il... c'est bon. Il a récupéré son bouton. Ping. 68. Je vais lire un truc, mais quoi ? Entre les deux serveurs, ça ping. Mais le deuxième, j'arrive pas à pinguer 8. Mais il doit donc y avoir une erreur, mais, je... mais oui. C'est une erreur que vous pouvez normalement toujours résoudre en faisant le petit train. Le petit train, c'est ça. Si vous ne la résolvez pas en faisant le petit train, c'est que vous faites peut-être pas bien le petit train. C'est le retour du petit train. Oui. Faire le petit train. Le retour du petit train. Le retour du petit train. C'est au début que ça me c'est... Personne ? Ça fonctionne pour personne ? Ah, déjà, j'ai vu une erreur là.
ça roule, je monte dessus. Ah, il faut une... Il faut de la galette. Il faut de la serveuse, je ping la passerelle. Je ping la carte réseau de l'autre côté. Je ping le deuxième routeur. Je ping l'adresse de sortie. Je ping pas avec 8-8-8. C'est parce qu'il y a une houlette. Est-ce que tu as fait le petit train? À chaque fois, tu ne réponds jamais à cette question parce que je sais que tu ne fais pas le petit train. Non, c'est faux. Si tu le fais, tu le fais mal. Si tu le fais, tu le fais mal parce que tu ne fais jamais le petit train tel que je vous l'ai appris. Tu le fais comme toi, tu le sens. Il ne connaît pas l'adresse de l'eau. Il va à sa passerelle. Là, c'est bon. Depuis sa passerelle. Sur le même routeur, il prend la deuxième adresse IP. Non, stop, non, n'importe quoi. Faux. Tu dis que de la merde. Ouais. C'est pas ça, le petit train. Donc je vais te le refaire, si tu veux bien m'écouter, tu veux bien l'appliquer. T'es sur ce serveur 2, là, c'est ça. Il veut joindre 888. Est-ce que c'est dans son numéro de réseau? Donc il envoie ça à qui? La gateway, c'est le routeur 2. Le routeur 2, est-ce qu'il connaît 888? Il envoie ça à qui? C'est quoi la passerelle par défaut du routeur 2? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut que je vous le redise encore une fois? Faut que je le fasse à chaque fois? Connais pas, il envoie ça à ça, passerelle par défaut. C'est tout le temps la même règle, il n'y en a qu'une seule. Vous ne voulez pas l'appliquer. Vous dites, ah ouais, non mais je passe par là et je vois le truc et il met... Et à chaque fois, c'est de la merde. Il y a juste une règle à appliquer, c'est le petit train. Elle est simplissime, mais vous ne voulez pas l'appliquer. Ouais. Alors, faites ça à l'instinct si vous voulez, faites ça au doigt mouillé en disant « Ah mais je pense qu'il y a là, faut prendre l'autre truc, puis ouais, j'ai vu que en faisant un triple ping, ça passait là. » Vous faites votre vie, il n'y a pas de problème. Ça ne fonctionnera jamais. Oui, quand on fait la règle du petit train, il connaît pas, il envoie ça à ça, passerelle par défaut. Bah j'ai quoi comme passerelle? Bah j'ai rien. Bah, c'est tatoué sur le bras droit, sans passerelle, t'es foutu. Eh ben si t'as pas de passerelle, eh ben t'es foutu. C'est la règle, c'est la base. Je crois que je vous l'avais dit l'année dernière déjà. Ça fait un an que je vous le répète. C'est vrai. Non, non, vous voulez pas. Non mais c'est qu'on n'est pas... Non mais je vais chercher le sabre laser. Bim. Hein? C'est pas le... Eh ça, mais pourquoi vous voulez pas le faire? Ça, non, ça j'ai du mal à comprendre, hein, parce que pourtant, c'est... Elle est facile, cette règle, hein. Et tu sais pourquoi? Ah! Ah bah j'aimerais bien savoir, oui. Il n'y va pas. Pourquoi? C'est parce que, depuis mon 10-0-5-1, je mets mon 10-0-5-254. Mais c'est ça le problème. C'est stupide. Oui, je comprends. Après, je ping mon 180.168.5.254. T'appliques pas la méthode. Après, je ping mon 254, après, je ping mon 132, et tout fonctionne. Oui, mais là, tu vas beaucoup plus loin. Là, y en a pas. Tu vas vers 888. Je vais vers un endroit qu'il ne connaît pas et qui n'est pas dans les statistiques. Qui n'est aucune de tes routes, donc il envoie ça à ça. Passerelle par défaut. Passerelle. Et je suis une passerelle. Tout ça. Donc ça va toujours. Alors, faudrait peut-être qu'on rajoute tout ça là. Sans toutes les bonnes passerelles, sans faire d'erreur, t'es foutu. Il va falloir agrandir les bras. Hein. Moi j'ai pas de tatou. Bon, oui, mais sur le gauche est déjà pris. Il y a quoi sur le gauche? Sans DNS, point de salut. Voilà. Donc, bah oui, mais c'est, j'en fais un par bras. Sans toutes les passerelles. Sans toutes les passerelles. Il faudrait peut-être qu'on le fasse tourner. Tu vois. C'est parce qu'à ce moment-là, je fais confiance au ping. Et je n'oublie pas. C'est la méthode. Appliquer la méthode. Donc il faut des passerelles partout. Non, mais évidemment. Parce que c'est la règle du petit train. Quand il connaît pas, il envoie ça à ça. Voilà. Pour envoyer à ça, passerelle par défaut, il faut une passerelle. Mais il m'en manque là. Je reconnais. Ah, mais c'est grave, je sais. Non, mais il y a certainement un problème de méthodologie pédagogique. Là, je me rends compte. Tu me rends compte parce que ça ne fonctionne pas, manifestement. Non, mais faudrait que je trouve une autre règle que le petit train, tu vois. Mais non, quand tu es en 10, tu vas aller. Parce que chaque chose en son. Pour sortir, tu es obligé de mettre la 254, la 188 pour sortir. C'est là où il ne faut pas faire les choses. Il la connaît pas uniquement. Il faut comprendre. Comprendre pourquoi on fait les choses. Le routeur, il y a les deux. Le 22, il connaît déjà. Là, il y a du rocher. Tu as les allumettes. Donc il me manque une autre route. On est deux. Enfin, tu ne connais que celle qui doit sortir avec l'adresse IP qui va bien, c'est tout. Oui, mais enfin, l'adresse réseau qui va bien, pardon. Elle n'est pas directement connectée. Qui est bizarre. Alors, t'as du quel côté là? La 254.
attends, t'es en 254. Oui. Et ton défaut Gatoru, c'est 254. Oui. C'est bizarre. Non, mon défaut des... Pourquoi je l'ai... Ah non, il est en 53. Il est là, mon défaut Gatoru. C'est bon, c'est l'autre qui est bizarre. Hein. Ouais, 10 points, c'est 4.0. Il est de là pour aller à là. Oui, mais c'est pas sur le même montant. C'est-à-dire que là, il utilise. Le doigt mouillé. Ah putain, c'est pas la dichotomie. Ah oui, non, mais oui. C'est le miroir, tu vois, il va changer. Celui-là, qui passe par là. Celui-là, je vois bien. Je l'ai pas. Le doigt mouillé dans le doigt. C'est pas la bonne. Ça claque pas. Non, c'est vrai, ça. Ah oui, donc t'en as une sur chaque routeur. C'est pas dystopique. Voilà, juste c'est défaut ghetto. Ah, c'est un autre truc. C'est un truc. Mais sur celui-là, t'en as une au final. Deux de chaque côté. Deux dans chaque routeur. Oui, donc... Non scientifique de doigts mouillés. Celle qui est sur elle-même, ça sert à rien. Voyons si ta description... On peut dire c'est le hasard. L'art du doigt mouillé, non scientifique. Du mouillage du lactin. Excellent. Du dactylo mouillage. C'est du dactylo mouillum. Alors, et en donc tu es adepte du dactylo mouillum. Tu sais que ça existe quoi? Dactylium mouillum. Bah, c'est la traduction des doigts mouillés en. On l'attend. On a la chance, mais il y a mon public au feeling. Ah, toi, tu es très un dactylo mouillumesque. Dactylo mouillum. Dactylo mouillum. Il y a la technique dactylo mouillum. Pour doigts mouillés. J'en apprends une là. Allez, je suis donc scientifique, dactyle au mouillage. Il te reste de la place sur ton bras à tatou ou pas? Alors je suis fou là. Ouais, mais le dactyle au mouillum, moi je peux pas vous l'apprendre comme technique. Allez, c'est interdit le dactyle au mouillum. Oh, c'est bon. Pas de dactyle au mouillum. C'est trop de conneries là. Et je pensais que c'était une connerie, qu'on n'allait pas trouver un truc aussi. C'est ça qui est terrible. Et visiblement, si le nom latin existe, ça doit faire un bail que c'est utilisé. Bah, le doigt est mouillé. Ça, même si elle est morte, le latin, ça reste une vraie langue. Ouais, et je pense qu'à l'époque où le latin est né, le mot doigt, il devait exister, et mouillé aussi. Dactylium. Et mouillum, je dirais que c'est mouillé. Dactylo mouillum. Ah non, voilà, c'était empirique que je cherchais comme mot, c'est ça. Empirique. Voilà. Il utilise une méthode empirique. C'est ça. Empirique, vas-y. Pourquoi? Mais si je vais aller dans bas, là-bas. Infectum digitus. Sur le 254, donc tu es sur ce routeur-là, donc tu descends. Tu remontes pas. Il est déjà. Oui, donc mais elle était déjà activée, celle-là. Après, la deuxième, ton deuxième routeur, il est mouillum. Non, non, mais celle-là, mais attends. Dactylo mouillage, de la traduction du latin dactylium mouillum. Dactylium, quand même, quoi. Donc tu là, tu dis que ça là, elle sert à rien. Dactylo. Déjà en 4.254, tu peux pas te faire sur lui-même. On a appris un truc sur lui-même. On a appris dactylo mouillum. Tu es en haut, tu veux aller sur le reste réseau du bas. Dactylium. Tu passes par 192.168, 4.253. Oui. Le premier, ça ne sert à rien, tu pointais sur toi-même. Enfin, le routeur, il se pointait sur lui-même, ça ne sert à rien. Donc là, c'est pas mal. Attends, ta ghetto, c'est quoi? T'es où? Ça, c'est la première qui fonctionne, donc ça, c'est bon. Et c'est dans ton deuxième pour qu'il y ait une chagrine. Le deuxième, 254. Celle qui joue en 254. Je suis sur le même. Non, je suis sur le 10. Elle n'a pas validé. Elle n'a pas validé. 254 encore. Mais c'est pas grave. Elle est sur la patte en 10. Je suis sur le deuxième. Elle est sur le 10. Ouais. Je pensais qu'elle gardait la même adresse, c'était sur le coin. Oh là là. Ah bah il y a du doigt mouillum là. T'as dû faire la même que sur le. Ouh, il y a du doigt mouillum là. Il y a du doigt mouillum empiricum. Là je vois certaines choses qui me paraissent à moi un peu illogiques.
Ah, c'est Ah, je peux faire ça, moi. Comment je pourrais faire ça? Ensuite, ouais. Tu passes par la 192, 168, 254. Ah oui. Non, moi j'ai pas l'envers. Défaut gateway qui est pas bonne. Exactement. Et tu m'as dit c'était. Ton défaut gateway, ton routeur c'est. Là, tu vas. Oui. Et B. Et là c'est un 253. C'est ta défaut gateway, c'est lui-même. C'est bon. Ok. Je pense qu'au doigt mouyoum, c'est pas bon. Non, il y a un truc qui va pas aller. Dactylum mouyoum. Du pont, quand ça, c'est 253, c'était bizarre. Il pointe sur lui-même, donc il va. Donc il faut lui mettre. D'accord, ça fonctionne, ça prend quand même, c'est bien. Non, ouais, il peut. Serré, c'est valide. Tu peux mettre de la merde. Ouais, c'est bizarre ça. Non, c'est pas bizarre parce que les adresses, il les connaît déjà, donc oui. Il est valide. C'est une qui est dans son réseau. Oui, c'est ça. Donc, il peut pas savoir si c'est la bonne ou pas. Il peut pas. Mais s'il les connaît, il est valide. S'il les connaît pas, il ne les valide pas. C'est pas s'il les connaît pas. C'est dans un numéro de réseau qu'il connaît, il est valide. Je m'en suis aperçu. Ne soyons pas Douamouyoum. Douamouyoum, il te dit quand même que si c'est pas dans son adresse réseau, il y a. Ah là, il dit c'est pas possible. Là, il te l'interdit là. Tu changes juste ton 253 en 254, que ça donnera la vie. Va à l'autre. Et son défaut gateway comme n'importe quel appareil, en fait, il pointe sur quoi? Il pointe sur lui-même, donc il ne peut plus partir, il ne peut plus sortir. Il reste bloqué sur lui-même, donc ça reste bloqué là. C'est ça? Nickel. C'est mieux? Ouais. C'est ça? Petite question, bête, tu as compté ton client qui ping 8.8.8.8 dans les deux étendues? Eh bien, on va regarder. Allez. Normalement, devrait. Ah, c'est vrai. Il te manquait un truc. Non, pour ça, c'est bon. Mets-le sur le VLAN du 10.8, machin. Ce qui est bien quand t'en fais qu'un, c'est que tu vois le changement. J'ai trouvé un nouveau réseau. Quand tu le fais, tu le connectes, il se connecte tout seul. Ouais, je vais te dire, c'est bon, j'ai trouvé un réseau, ce machin. Bizarrement. C'est quoi cette réponse? Bizarrement, oui. Marina? Ton client. Est-ce que vous pouvez signer un truc? Est-ce que tu peux écrire assistance? Oh, de t'as fait deux clients. De ton menu démarrage. Avec t'es comme Kevin, t'es dans le. Générosité, c'est ça. On m'a jamais dit. J'ai pas assez de VM. On m'a jamais reproché de pas être assez prévoyant. D'être trop prévoyant. On m'a jamais reproché d'être trop prévoyant. Jamais. Ça s'ouvre? Ça réfléchit. Ça réfléchit? Moi maintenant j'ai un problème que Jérôme, j'ai les VM qui sont trop vieilles, tu sais, et qui se coupent toutes les trois. Donc SMG, 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 c'est la première lettre elle est bonne, mais la deuxième elle est fausse. SG, non, MF. SL. Non mais je l'ai denoté. Et rire, je vais te donner un code. SMGR, PBW. W73 J. MGR. Vas-y. SLMGR. D'ailleurs, je vais les rire tout de suite parce qu'ils vont me saouler. Tac. Tac. Ok. Alors, premier contrôle. Non, on va juste faire afficher l'écran. Voilà. Je voudrais voir si ça passe bien. Oui.
Alors, il faut que je fasse sélectionner un moniteur, c'est mieux. Zéro. Voilà. C'est mieux. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, il faut qu'on choisisse un. Tu retires le Switch 1. Non, là, c'est bon. Mais... T'as du mal avec le défaut Ghetto. Ouais, ça marche pas mal ça. Ouais, ton cerf en deux, c'est quoi donc? Est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, regarde, regarde sur Twitch. Sur Twitch, bouge pas. Oui. Il est dans mon écran. C'est son écran. Vas-y, ouais. Bah, bouge quelque chose, Kevin. Montre, je vois, l'interface de ton routeur et tout. Tiens, on est bon. Ouais. Ah, mais c'est bien, ça réagit quand même bien. Hein. Oula. Ça, c'est d'un écran en route. C'est c'est le routeur d'un écran. Enfin, l'interface de mon écran. On voit qu'un écran. Ouais, c'est pas mal. On voit qu'un écran, c'est ça. D'accord. Oh là. Bon, j'espère que vous avez lu le chat de Twitch. Sur tout ce que vous a dit petit topo. C'est... Ah, je vois, Kevin, que tu as des clichés instantanés sur ton routeur 2, là. Le point de contrôle. Ah, putain. Bah, moi, je comprends. Pense à le supprimer. Qu'est-ce que tu es en train de montrer? Ah. Weshbik, le petit train. Oh là là, ça va être compliqué à expliquer le petit train sur le chat, mais c'est facile. Oui. Ah non, je regarde le tableau derrière. Tu regardes le tableau derrière moi. Très bien. Et donc, si je fais quitter, hop, ça quitte. Bim. C'est bon. Est-ce que ça a quitté? Hein? Le partage d'écran est terminé. C'est bon. Et donc, ça fonctionne. Très bien. Qu'est-ce qu'on était supposé regarder? Alors c'était j'ai voilà parce que je voudrais plus afficher vos écrans. T'as embauché, c'est bon. Chapeau. Ah bah c'est du rapide. Donc ce sera Sony 14h. Ouais. Et Kevin 15h. Vous êtes prêts? J'ai mon diplôme nécessaire et j'ai jamais entendu le petit train. Ah oui. Ah mais ça c'est normal parce que c'est un truc, c'est moi qui l'ai inventé, le petit train. Donc peut-être que les autres formateurs ne le connaissent pas. Ils n'utilisent pas le petit train pour... Oui, alors t'en es où, excuse-moi. T'étais... Moi je suis loin. Quand t'es parti... Non mais t'as commencé là. Non, j'ai fait le serveur 2, mais oui. En fait j'essaye de tout ping. Que ça ping 8-8-8. Ouais, mais j'ai un problème, je pense... Qu'est-ce que t'arrives? Des routeurs sur Debian, mais ça change pas le fonctionnement du petit train. L'idée c'est que pour configurer et dépanner le routage, la méthode c'est d'utiliser le petit train. Et le principe du petit train, c'est ça. En fait, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'on met c'est ça. Comment je vais te l'expliquer sur c'est laquelle? C'est l'ascenseur de bon côté. Le premier routeur. Le deuxième routeur concret, on lui donne comme ghetto le bon côté. Il y a un côté internet et un côté jeune. Non, non, mais même j'ai donc le petit train, c'est simple, c'est quand un émetteur ici veut joindre un destinataire, l'émetteur va définir si le destinataire est dans le même numéro de réseau que lui, que l'émetteur. Et si il n'est pas dans le même numéro de réseau, il envoie ça passerelle par défaut. C'est juste ça, le petit train. Et donc, ce qui fait que mon petit train, après, il va quitter l'émetteur et il va aller jusqu'à sa passerelle par défaut. Et après, on applique la même règle à la passerelle par défaut. Est-ce que la passerelle par défaut connaît le destinataire? Si elle ne connaît pas, la passerelle par défaut envoie ça passerelle par défaut. Comme un petit train qui passe de gare en gare, en fait. C'est ça l'idée. Sur lequel tu mon adresse à moi. C'est pour ça. Ok.
En fait, celui que tu modifies, c'est ta deuxième carte. T'as trouvé toutes les boulettes qu'il y avait sur ton poste ? Essentiellement, c'était que celle-là. C'était que celle-là ? Non, je crois que t'avais une route statique qui était fausse aussi. Hein. Ah, tu l'as noté ? J'en avais une en trop. Ah. Alors, est-ce qu'elle est en trop ? Est-ce que ça veut dire qu'elle est fausse ? Ça se discute. Est-ce que ça peut enduire d'erreur ton routeur ? Parce que s'il a des itinéraires statiques inutiles et qui sont en plus faux, il va les utiliser. J'ai dégagé. Mais après, j'arrive à tout pinguer séparément. Donc là, c'est bon. Ah bah ça, la question est, est-ce que le client DHCP du deuxième réseau, il ping 888 ? Oui. Voilà. Et je peux le mettre dans le premier réseau. Il prend une adresse IP. Ah oui, bah ça aussi. Oui. Si vous déplacez les clients DHCP du réseau 1 au réseau 2, ça doit récupérer une config IP complète. Non, là, tout fonctionne. C'est bon. C'est bon. J'ai trouvé le temps que... Pourtant, j'ai révisé pendant les vacances. S'il est déjà sur la même adresse. Ouais, mais t'as révisé pendant les vacances, mais par-dessus, il y a Linux, il y a l'élevage des petits manchots qui est venu se mettre par-dessus et ça pique un peu. Ça colonise le cerveau, les manchots. Mais c'est à cause de l'odeur du poisson. Ça, l'odeur du poisson, c'est fort, c'est entêtant. Linux, ça prend une énergie monstrueuse. Ah oui, ça demande beaucoup de concentration. Mais parce que c'est la découverte d'un nouvel univers. C'est là où c'est difficile. Mais vous avez vu, vous l'avez utilisé, quand vous allez faire la deuxième semaine, ça va vous paraître 10 fois plus facile. Vous serez à l'aise parce que ce sera que utiliser les mécaniques que vous avez apprises précédemment. C'est comme quand on a commencé le réseau. Quand on a commencé le réseau, les adresses IP, machin, le routage, les masques, les... T'en prends plein la tête, le soir tu vas te coucher. Mais maintenant, on parle d'une passerelle par défaut... Bon, c'est évident. Bon, apparemment, le petit train, tout le monde n'est pas tout à fait remis sur les rails, si je puis dire. Les rails du petit train, excellent. Ça marche pas. Mais après, voilà, ça revient vite. Ça revient vite. Est-ce que tu as fait le petit train ? Non. Bah, fais-le. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, fais-le. Attends, je vais me faire un truc de fou. Tu vas m'enregistrer ? Non. Je vais éviter de me déplacer. Bim ! Attends, bouge pas. Offrir de l'aide. Bim. Est-ce que tu peux taper sur... Attends, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ta première ligne. Ah bah alors ? Ta première ligne. Ah bah t'as déjà trouvé... La statique, elle est pas bonne, déjà. Tu pointes sur lui-même. Ah bah voilà, bah t'as vu, alors bah voilà. T'as utilisé donc la compétence lecture pour... Ah mais là, c'est chaud. Après, t'as pas fait la même erreur sur l'autre pour regarder. Attention. Ouais, si t'as inversé. Ouais. Ah, le petit dessin à 2 balles en papier ou sur un disco, le petit dessin à 2 francs. Petit dessin à 2 francs, mais pas trop. Tu pensais peut-être être sur l'autre routeur. Tu peux voir. Charlie, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton démarrer de ton hôte et t'écris assistance, s'il te plaît. Et là, t'as les mecs qui arrivent en courant par la porte. Il y a le JUJN qui va débloquer. Assistance rapide. JUJN. Ah, c'est ça, Edouard. Ça s'est ouvert, assistance, ou c'est en Samouline ? Ça s'est ouvert, attends. Il te demande un code ? Oui. Est-ce que tu peux taper A93LA3 ? A93LA3. A93LA3. S'il te plaît. Tu veux un coup de main ? Ouais, je veux. Oh, c'est beau. Elle se régale. Il se régale, le boss. Allez, affichez l'écran. Il se régale. Non, mais c'est bien parce que ça va m'éviter de me déplacer comme c'est ça. Tout. J'ai même plus besoin d'aller jusqu'à vos écrans. Faut que tu m'autorises. give me the authorization, please. Christophe ? Oui ? C'est bon pour tes calories, c'est pas bon pour tes calories. C'est bon pour mes calories, c'est pas bon pour mes calories. J'arrive. Oh, c'est bon, si tu viens pas en vélo. Dessus. Oh, c'est bon, ça. Si tu viens pas en vélo et que tu commences à regarder. T'as autorisé ? Ouais, ça fonctionne. Ça arrive. Non, mais c'est réparé. T'avais réparé. Allez, j'ai même pas le temps de me connecter que déjà ça réparé. J'avais bien des mouse statiques. Ok. Donc là, c'est bon.
Plein ah, elle était où la poulette? J'ai pointé vers lui-même. En fait. Ah oui, comme passerelle par défaut du routeur, tu lui as dit, c'est toi-même c'est ta propre passerelle par défaut. Ah bah ça tourne. C'est la route statique. La route statique, tu lui as dit oui. Le routeur d'après, tu lui as dit, c'est toi-même. Il n'y a pas moyen de faire fumer un routeur comme ça? Moyen de faire fumer un routeur, tu veux dire rapport à la drogue? Si tu lui mets une passerelle sur lui. Et bah tu lui mets une passerelle sur lui, c'est pas grave. Tu as une loupe, comme le switch fait une loupe. Une loupe, tu veux dire les trucs grossissants les... Non, avec de haut, pas avec un U. Ah, une boucle. Excuse-moi, parce que comme ta phrase était en français, ça fait pas une loupe, bah moi j'ai pensé que tu disais loupe. Ça c'est compliqué quand tu mélanges le français et l'anglais, que le mot anglais existe en français. Mais il peut pas dire la même chose, mais se prononce de la même façon. Oui, ça fait pas une loupe. Non, c'est... Non. Non, la loupe de... Non, en tout cas pas à ma connaissance. C'est quoi celle? C'est mon lado. Ah, pardon, j'ai pas fini mon. Je vais finir. Il reste plus que Mouna? Il faut que je fasse mon prix en deux. Ah, j'ai la wesh toujours. Je sais pas si on a wesh big. Ou si on a petit topo, parce qu'on est que deux. Nous, on est un, donc on en a qu'un autre. Nous, on est un. Ah bah, le partage d'écran est terminé, d'accord, je me suis fait jeter. J'ai résolu mon problème. Ah, le problème est résolu, donc il n'y a plus besoin de partager. Bon bah très bien, bah tant pis, il n'y a plus de partage. Ding, dégage. Non mais je pense qu'il voulait aller sur un site web, un autre truc, il fallait pas qu'on le voit. C'était ça le truc, c'est ça. Non mais la confidentialité c'est important, t'as raison. Depuis ton client de position. Ah non. Allez. Il y a plein depuis les deux LAN. Ah, il y a un nouveau truc. Le premier, ça a fonctionné déjà. Mm-hmm. C'est le deuxième qui. T'as mis le relais. Le rajout de deuxième qui va. T'as mis le relais. Ah, j'avais mis. Ouais. 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 Non, t'as juste merdé dans le traité. Les deux. Non, 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 mais t'as inversé. Le 53 et le 54, c'est ça. C'est ça, ouais. Et le petit dessin, c'est ça, le petit dessin à 2 francs, là, parce que là je fais pas un système de liste, mais je fais quand même le petit dessin. Hop, hop, j'ai pas le faire. Ah, on a de la joue. Ouais, j'attends. Mais qui c'est qui a eu la fête de la page du On l'a pas. Ça, ah, vous l'avez pas? Ah! Oups! Il est toujours dans la bouche, le sang de ton corps? Non. Ah, oh, putain, j'ai. Eh ben voilà, t'as mis une chance sur deux. Ouais. Ah, forcément. Et c'est qui a eu celui de la. On l'a pas. De la brioche? De la brioche? Ah bon? Frangipane? Frangipane, bah ça y est, c'est Charlie. Ah, ça y est. C'est Charlie. Oh, là. Mais je sais pas encore ce que c'est. Faut que je poulie. Donc ça veut dire que c'est toi qui amène la prochaine. C'est ça. C'est l'idée. Ah bah normalement c'est qu'une fois par an l'épiphanie, oui c'est une fois par an. Le Sonic. Sonic. Bon, je vais éviter de lécher. Bon, j'en ai chopé une là. J'en ai chopé une, il m'a filé le joueur de foot, Lucu. Le maillot, Lucu. Je me disais. Je l'ai déjà vu sur un maillot, L-U-C-U. Et un jour. Et bah avec, j'étais un panier direct dans la poubelle. J'ai dit, pardon. La fève, j'ai dit, Lucu. Lucu. L-U-C-U. C'est un joueur de foot. Bah, si, visiblement, si, c'était un maillot de foot avec. Hein. Ou alors, c'était pas du foot. Lucu. Bon, je connais pas tous les joueurs de foot du monde. Hein. Donc là, c'est bon. Bah, c'est bon. Foot. Maintenant, on retourne sur. J'ai eu le maillot de Jean-Claude. Jean Kulowski. Jean Kulowski. Un Polonais, certainement. Alors, Rick, tu connaissais pas Jean Kulowski? Tu mets sportif. Non, Jean Kulowski, je connais pas. Je connais Lewandowski. Maxime Lucu, joueur de rugby à 15. Ah, c'était respectable. Je suis pas obligé de le jeter alors. Rugby à 15. Ah non, mais c'était ça. C'était ça comme maillot en plus. C'était ça. C'est Montpellier, ça, celui-là? C'est Saint-Yandelos. Ah non, il est né à Saint-Yandelos. Ah non, mais c'est Maxime Lucu, l'international français. Ouais. C'est du rugby. Ah, c'est rugby. C'est du rugby, c'est pas du foot. Oh là 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 là. Bah, tu vois, sur le coup, le mec qui commence à dire que les rugbyman, c'est des footballeurs. Alors, aïe aïe aïe. Tu vas avoir des problèmes, toi. Attention. Non, j'irai pas jusque-là. Tu vas avoir des ennuis. Donc, à choisir, je préfère. Et quand tu vas avoir des ennuis avec les rugbyman. De temps en temps, je m'arrête un peu de rugby.
Bon, je vais pas plus renseigner. Tu vas prendre cher, hein. Au moins, je zappe pas, quoi. J'espère que tu cours vite. Oui. Oui, parce que fais gaffe, parce que même eux, ils courent vite maintenant. Non seulement ils font 150 kilos de muscles, mais ils font le 100 mètres en 12 secondes. J'en ai fait un tout petit peu. Ouais, tu vois, moi, c'est vraiment mieux que le foot. T'es en 24 ans. Ah, bah, j'ai 4 ans, alors. Non, t'en fais pas. C'est quoi? Allez, je joue talonneur. Non, je suis 9. Bon, oui, 9, ça va. Ah non, mais au rugby, je suis un petit gamin, c'est ça qui est drôle. Ah bah, oui. Alors, c'est une vache, quoi. Ouais, c'est drôle. Là, au rugby, t'es une jambe. Au rugby, je suis 9. T'es une jambe dans le pilier. La physique des joueurs de rugby des années 80. Oui. Vincent Moscato. Fais tes routes stagiaires, toi. Ouais. 172.16.6, qu'est-ce que c'est que cette adresse 172.16.6 C'est ton LAN 2 Il y a écrit 10.x.0.0. Moi je pensais qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait. Évidemment. Comme d'habitude, hein. J'ai envie de dire, c'est pas grave, 172.16, bah, ça fonctionne aussi. Il va pour 172.16. Maintenant, le problème de 172.16, c'est bah non, justement. Ah non. C'est ça le problème, c'est que c'est pas une adresse privée 172.16. C'est une adresse publique. C'est une adresse publique. Donc il peut y avoir conflit. Eh oui. Non, mais c'est pas grave, garde-la, bon, donc c'est autre chose. Comme d'habitude, hein, je ne fais que donner des conseils, vous faites ce que vous voulez. Donc 172.16.6.254, c'est ton routeur. Tifo Gateway 185.6.254. Pour le premier, t'as pris 192.168 par contre. Oui, okay. Très bien. Ils ont une boîte, ça c'est très bien. Ça me laisse un message. Ouais. Static route. Et alors pourquoi tu veux rajouter une route statique? Mais si. Parce que mon. Enfin là ça tu veux pas. 16 à 31. Avec, ça répond pas à ma question. Pourquoi tu veux rajouter cette route statique sur ce routeur? Pour arriver vers le DNS. Enfin vers l'adresse de Google. Si. Vers l'adresse de Google. Donc là on est sur ce routeur là. Là t'es en train de me parler de la configuration de ce routeur là. Ouais. Et t'es en train de rajouter une route statique à destination de qui? Celle que tu as voulu rajouter. La destination, c'était quoi? C'est pour aller vers... Non, je voudrais le chiffre, s'il te plaît. Ah, le chiffre. J'ai très bien. Donc, est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que ce routeur-là? Donc, il envoie ça à qui? Sa passerelle. Et la passerelle par défaut de ce routeur, c'est quoi? C'est combien? Pardon, le chiffre, je voudrais. C'est sous tes yeux. T'avais pas besoin de cliquer. Dans l'interface, on le voyait là. Gateway, il y a écrit en gros. Tu le vois pas, Gateway? Est-ce qu'un jour ou l'autre? Bah non, mais j'ai mis une qui ne correspond pas. Non, est-ce que tu peux me lire ce que tu as écrit? Ouais, 172, 205, 6, 254. 160. Non. C'est pas ce que j'avais vu. Ça, c'est pas possible. Default Gateway, est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit dans la liste Default Gateway que tu as écrit? 192, 168, 6, 254. C'est lui? Oui. Donc le petit train, il va de là à là. Donc, est-ce qu'il faut ajouter une route statique sur ce routeur? Non. Okay. Tout ce qu'il ne connaît pas, il l'envoie à lui. Bah, c'est bon. En tout cas, sur ce routeur-là, il n'y a pas besoin de mettre de route statique. Ah ouais? Ça ne sert à rien. On fait le petit train. Pourquoi? À destination de qui tu l'as mis cette route? Très bien. Pourquoi tu as fait ça? Ça va pas. Parce qu'il fallait sortir. Tu lui as donné un itinéraire statique pour atteindre 172.205 en passant par qui? Non. Or, il se trouve que cette adresse, c'est la passerelle par défaut de ce routeur. Donc, ça fait double emploi ce que tu as fait. J'ai fait ça avant de rajouter la passerelle par défaut. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que si tu avais fait ça, ça pingait jusque-là. Mais pas plus loin. C'est ça. Ça n'avait pas après. 888, ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça que ce que je vous ai demandé, c'est de pinguer 888.
Je vous ai jamais demandé de pinguer 172 205. Il connaît pas, il envoie ça à ça. Passerelle par défaut. Bim, elle est là. Lui il connaît pas, il envoie ça, passerelle par défaut. Lui il connaît pas, il envoie ça à ça, passerelle par défaut. Ouais, allez, voilà, ouais, j'avais pas encore la passerelle par défaut. Donc Mouna, là, on était sur ce routeur-là, il n'y a aucune route statique à faire sur ce routeur. Il faut que je trouve l'autre route statique. Mais en fait, c'est parce que là, si je pile, ça pile pas plus vite. Et on fait le petit train. Si je fais le petit train, tu pars de ce serveur-là, là, c'est ça? Oui, oui. Lui, il doit atteindre 888, est-ce que c'est dans son numéro de réseau? Il envoie ça à qui? C'est lui. Lui, est-ce qu'il connaît 888? Il connaît pas, il envoie ça à qui? Il va l'envoyer à sa passerelle aussi. Qui est bien configuré, ça va là. Lui, est-ce qu'il connaît 888? Ouais. Non. Non. Non, il connaît pas. Est-ce qu'il a une de ses cartes réseau qui est connectée au numéro de réseau 8.8.8? Non, non. Ouais. Il connaît 192.168 et 172.205. Okay. Il connaît rien d'autre que ça. Pour qu'il connaisse 888, soit tu as fait une route statique, soit tu as configuré la passerelle par défaut. Parce que ce routeur-là, la passerelle par défaut, elle est configurée. Ouais. Combien? Sur le premier routeur. Il y a écrit quoi comme passerelle par défaut? Je vais dire 172, 205, 0, 254. Ça fait que le petit train, hop, il va jusqu'à 172, 205, blablabla. Mmh. Ça fonctionne. Mais les pings, ça s'en va et ça revient. Donc, en imaginant que tout ce qui est derrière, c'est bien configuré, le ping, il revient ici. Mais il est dans l'autre sens, le ping. Il est à destination de... Alors toi, c'est pas 10.x, c'est je sais pas quoi, 172.16, ce que t'as mis. Oui. T'as mis 172.16. Est-ce que ce routeur de NAT, il connaît 172.16? Donc il envoie ça à qui? À sa passerelle. C'est le routeur qui est là, qui va lui renvoyer à lui. Est-ce qu'il connaît 172.16? Non. Donc il envoie ça à sa passerelle par défaut, etc., etc. C'est pour ça que ça route. Sur le routeur NAT, il faut mettre une route statique à destination de 172.16 en passant par ce routeur-là. C'est sur le NAT qu'il faut faire les routes retour. D'accord. Pour l'aller, on va dire, avec les passerelles par défaut, ça fonctionne. Mais les routes retour, il faut lui indiquer parce qu'il ne les connaît pas. C'était bien ça, hein, c'est bien sur ADA, faut que tu cliques. Bouge la fenêtre pour voir. Non, ça c'est tout à fait le truc. T'as changé quelque chose parce que il est toujours démarré, c'est ton routeur 1 auquel tu peux te connecter là. Mm-hmm. Et tu depuis c'est ça. Le serveur 1. Est-ce que tu le pings toujours? Il y en a des fenêtres ouvertes. C'est peut-être pour ça. Là, cette télé, elle était cachée derrière. Et c'était caché. Ça, c'est... Ferme ton navigateur et rouvre-le. T'as encore une fenêtre ouverte? Non, c'est bon.
contre, il y a un truc chaud. Oui. Enfin, si, ça fonctionne aussi. Tu veux pas essayer par l'adresse interne plutôt ? L'adresse interne, c'est ça. Là. L'adresse que tu tapes, là, c'est l'adresse de quelle carte réseau de ton routeur ? ETH1, je crois. Oh non, sérieux, t'as encore mis 3 cartes réseau sur un routeur. Ouais, mais là, c'était pas volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est ETH1, 172.205.6.224 et. Voilà, donc son. C'est la première du coup. 182.108.6.254. Donc c'est à destination du LAN 2. T'as mis un slash S sur le LAN 2. Ouais. Ah, c'est quoi le numéro de réseau des machines qui sont dans le LAN 2 alors ? Quel est le numéro de réseau du serveur 2 ? Ben, c'est ça. Est-ce que tu peux me donner les chiffres s'il te plaît ? 172, 16, 6, 0. C'est faux. C'est pas ça. À moins que sur le serveur 2. T'es pas mis ça, 172.16, oui, ben, ouais. Oui, ça c'est mieux. Non, faut que tu mettes la gateway. Ouais, je mets ça d'abord pour pas oublier. Ah bon. Ah, j'oublie à chaque fois. Donc c'est censé être quoi la gateway ? Vas-y. Mais ça me paraît faux ça. Là, tu es en train de configurer un itinéraire statique sur quel routeur ? Quel routeur ? Tu lui dis ? Tu es ici ? C'est bon, j'ai compris. C'est quoi qui est faux ? La gateway que j'ai mise. J'ai mis celle de la première, du premier routeur. Oui. Faut que je mette celle du routeur d'après. Oui. Et donc, c'est combien qu'il faut mettre ? C'est 172... Donc ouais. Ça, c'est l'adresse IP de quelle carte ? C'est l'adresse IP d'une carte réseau d'un routeur que tu viens de taper, 172.16.6.254. Ouais. C'est l'adresse IP de quelle carte réseau sur ce routeur-là ? C'est l'adresse IP de la carte, qui correspond au LAN 2. Donc c'est l'adresse qui est ici ? Oui. Donc tu dis à ce routeur-là, pour atteindre le réseau qui est là, il faut passer par ici. Je crois qu'il y a une grosse phrase rouge qui s'est affichée. Non, qui non, dit que c'est pas. C'est, pas... c'est impossible. Viens voir. Il arrive. Ah, bah ça, c'est cocasse. Comment il a réussi à rentrer ça avec du 172.16 ? Tu peux cliquer sur. Setup, s'il te plaît. Network. Ah bah parce que son adresse externe, c'est 172.16. Ok, donc c'est pas ça du tout. T'es sur quel routeur, là ? Attends, t'es sur lequel, là ? Sur le 1. C'est sur le 1. Ok, donc t'as vraiment fait que ce que tu... Attends, viens voir. Sur le... Sur le routeur 1, j'ai cette adresse-là. Oui. Routeur 1 qui est connecté au LAN 1, serveur du LAN 1. Oh, bah dis donc, j'avais pas vu. T'as fait un joli conflit d'adresse IP, dis-moi. ETH 00, c'est combien l'adresse IP ? 192.168.6.254. Et ETH 00 du routeur 2, c'est combien ? 192, c'est la même. Et bah donc, c'est un conflit d'adresse IP. Comment on fait la différence entre les deux routeurs ? T'as dit que
Ici, tu as mis 192.168x254 et là, tu as mis 192.168.x.254. Bah, c'est la même adresse IP là, tu as un conflit d'adresse IP. Comment on différencie les deux? Bah, on peut pas. Oui, 3, ce sera... éventuellement si tu veux, hein, c'est... Enfin, on va plutôt écrire autre chose que celle-là. Autre que celle-là, ce serait mieux. Et autre chose que celle qui est utilisée par le serveur 1 aussi. Je sais pas ce que tu as mis comme adresse IP sur le serveur 1, mais il faut pas que tu mettes .1, si c'est la même que celle-là. Sinon, ça ferait un conflit d'adresse IP avec le serveur 1. Oh oui, autre chose, ce serait mieux. Oui, Sam. Ça explique beaucoup de choses, là. T'es en train de remplacer le TH0 qui était en 172.16. C'est les vieilles habitudes. C'est pas. C'est... Ah non, la flèche ça marche pas. C'est la batterie. Ouais, mais c'est un peu ça. Moi, c'est en fait, je pense. Tu fais contrôle C. Quand t'as c'est comme un gérant, c'est pour les années trop tard. Mes pieds se mettent à faire tout seul. Refail, les managers. Non, je commençais pas très vite. Ça va. Je l'ai pas changé. Et donc, je m'aperçois des fois qu'il y a que tu fasses pour faire modifier les adresses. Tiens, je fais des paramètres de ETH00. Et c'est marrant, j'ai beau en avoir appliqué 10 ou 15, je refais toujours le même. Pas poum, pas poum, pas poum, poum. Toujours celui-là. C'est bon. C'est parce que. Bon, je suis en train de réfléchir. On va réussir la place. Non, j'ai dit 253. Ouais, c'est ce que j'ai tapé sur la... Ah. C'est facile. Le coquin. Alors, 168.6.253, ça a l'air mieux. 172.16.6.254, c'est bon. Tu les as téléchargés. On va vérifier la gateway, parce qu'elle est bien toujours. Mais le premier. 192.168.6.254, c'est bon. Que 16 à 34. Okay. Lui, il n'a pas bougé. On revient sur ici. Ça, le 254, il va falloir faire. Ouais, bouquin 1, il est prévu pour la connexion. Est-ce qu'il va se connecter sur le bon cette fois? Non, mais c'est pas à lire. Hein. Maintenant, il n'y a plus d'adresse. Il n'y a plus de conflit d'adresse. C'est du taf, quoi, tu sais. C'est pour passer la certification. Même chose, network. On va vérifier les adresses IP. On est chez... Ça a l'air bien, ça. 6.254.172.205.6.225. Correct. Et maintenant, on vérifie gateway. 172.205.0254, c'est correct. C'est bon. Pour devenir, tu vois, mort dessus, quoi. Voici le NAT, c'est bon. Et on va suivre là. Et on va voir les routes step. Voilà. Maintenant, on rajoute un route step. Il faut que tu rajoutes à destination du LAN 2. La facilité d'apprendre, elle a la question. Moi, non. Moi, je, comme je disais, t'as des questions, non, mais j'ai posé. J'ai pas posé de questions sur l'entreprise parce que du coup, bah, c'est compliqué. Elles sont pas dans le régime. Yes. Par les infos de l'entreprise. Essaye. Mets-toi sur conserveur 2. En fait, c'était moins sur la forme d'un monologue. C'était plus des questions. Ouais, c'est un interrogatoire. Oui, non, 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 je répondais, mais en fait, quand je répondais, elle rebondissait pas sur mes réponses et elle enchaînait avec la description de Charlie. Elle a pas rebondi sur toi, tu veux dire? Non, mais sinon, il serait resté plus longtemps. Il est revenu vachement vite, il serait resté plus longtemps si elle avait rebondi sur lui. Non, il dit non, c'était pas un monologue, c'était un interrogatoire. Un interrogatoire. C'est la prison. Alors. Maintenant qu'on est bien pour tout le monde, est-ce que vous pourriez faire un petit essai, s'il vous plaît? Parce que, certes, vous pinguez 888, donc vous pinguez n'importe quelle adresse IP de l'internet qui voudrait bien répondre à vos pings. C'est déjà bien. Mais est-ce que ça veut pas dire pour autant que vous surfez? C'est vrai.
parce qu'il faudrait surfer maintenant. C'est vrai. Donc vous allez devoir ouvrir un navigateur. C'est vrai. Et dans un navigateur, écrire www. Alors je vous ai donné un exemple de site internet au hasard. www.psg.fr par exemple. Dans un navigateur sur vos serveurs ou vos postes de travail. Et qu'en est-il? C'est un non négatif. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. D'ailleurs, vous pouvez essayer. Si vous faites ping www.google.fr, pg.fr, ça ne doit pas fonctionner. J'ai essayé tout à l'heure. Ça fonctionne? C'est impossible. C'est impossible que ça fonctionne. Mais non, on peut pas. T'es pas sur ton note par hasard? T'es pas sur ton note, hein? Non. Bah, c'est impossible. T'as renseigné ADN? Je peux le redire une fois, hein. C'est impossible. Alors, avec ce que j'ai demandé de faire. T'en as pas fait plus, donc ça veut dire que ici, dans ce réseau-là, il n'y a pas de serveur DNS. Il n'y a pas de DNS. Et si vous mettez DNS par là, là, dans le réseau que j'ai demandé, est-ce qu'il y a un serveur DNS d'installer? Bah non. Et dans ta maquette à toi, il n'y a pas de serveur DNS non plus. Bah non, j'ai pas rajouté de serveur DNS. Et t'as pas rajouté. Tu me permets de vérifier? T'as pas rajouté une adresse DNS. T'as pas mis d'adresse DNS sur les machines. T'as un ncpa.ncpa. Ah si, à deux. Ah bah voilà. T'as mis 8888. Bah moi j'ai fait comme les maquettes qu'on a fait. T'as fait 8888. Ouais, mais il y a. Ah, fallait pas mettre d'adresse DNS. Non, fallait pas mettre de DNS. Ah, alors je vais supprimer. Oui. Non, parce que sinon tu peux pas résoudre, et toi tu résous. Ah, sinon c'est résolu. Sinon, bah, voilà, c'est fini, c'est bon. Bon, bah on va y aller. Hein. Donc voilà, donc normalement, si vous n'avez pas mis de DNS dans les configurations réseau de vos machines, vous pouvez pas surfer. Donc l'exercice, ça va être d'ajouter un serveur DNS. Alors je suis gentil, vous allez prendre le même serveur, votre serveur 1 en plus. Allez. Il va devenir serveur DNS. Donc ce que vous allez simplement faire, c'est deux choses. Premièrement, sur le serveur 1, vous ajoutez le rôle serveur DNS. Et c'est tout. Vous ajoutez juste le rôle serveur DNS. Et deuxièmement, vous allez dans le ncpa.cpl de toutes les machines. Ouais. Et vous mettez l'adresse IP du serveur 1 comme serveur DNS. Il faut que pour tous vos ordinateurs, le serveur DNS qu'ils utilisent, c'est l'adresse IP du serveur 1. Et dans le DHCP aussi. C'est tout. Ah bah, si vous avez des clients DHCP, vous configurez les options des étendues DHCP pour qu'ils utilisent comme DNS le serveur 1. Voilà. Mais l'objectif étant, je veux aller sur toutes les machines de mon réseau, n'importe laquelle, serveur, client, ipconfig slash all, l'adresse IP du DNS qui est configurée, c'est l'adresse du serveur 1. C'est ça que qu'est-ce que je veux. C'est plutôt logique. C'est plutôt cohérent, ça va, ça passe. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient par la main. Non, ça va. Et donc à partir du moment où vous vous tenez par la main, ça se tient, ça doit fonctionner le surf. Donc vous ajoutez le rôle service DNS sur le serveur 1, sur lequel vous ne configurez rien, à part ajouter le rôle, c'est tout. D'accord. Vous ajoutez juste le rôle, c'est tout. Et configuration IP de toutes les machines du réseau, serveur DNS préféré, l'adresse IP du serveur 1. C'est ça qu'il faut faire. Donc vraiment le schéma le plus basique, juste avec le rôle. Juste ajouter le rôle et modifier tous les ordinateurs du réseau pour que leur DNS préféré, ce soit le serveur 1. Et refaire nos petites étendues avec les options d'étendue. Modifier les options d'étendue qui vont bien, etc. etc. Oh là là, j'écris n'importe quoi. Hop. Ipconfif. C'est beautiful.
Et après, quand c'est bien fait, vous pouvez surfer sur l'internet. Ça, c'est beau. Peut-être. Si vous avez de la chance, ça va fonctionner. C'est pas sûr. À une vache près, ça doit fonctionner. Donc pour les clients, on va devoir faire un renew. Ok, le choc. Oui, ouais, c'est bon. C'est que ça se renouvelle pas tout seul, tout ça. Bah ouais. Mais il n'y fait rien. Et Kevin me dit c'est un virus. T'as vu des guitares ? C'est un virus, www.psg.fr, c'est arrivé. C'est un truc de dingue. C'est... Ça revient. Non, mais il faudrait un meilleur antivirus, je pense. Il va falloir se rendre à l'évidence. Non, mais alors je te rassure que normalement, en mars, fin février-mars, c'est calmé. La saison se finit en fait. La saison est finie en mars. Donc après, j'en fais un peu moins. Tu regardes la Formule 1? Je regarde pas trop la Formule 1, non. Non. Un petit peu comme ça, mais je regarde pas les Grands Prix. La plan, c'est la nuit. C'est surtout sur Canal+. C'est surtout sur Canal+, oui, aussi, mais... Et la Formule 1, c'est chiant, hein, quand même. C'est devenu chiant depuis longtemps. Hein. Après, bon, c'est pas fifou. C'est pas fifou. Alors, cette année, pas que cette année d'ailleurs, ça fait plusieurs temps où t'as quand même le. Mais que va faire Ferrari ? Comme connerie, je veux dire. C'est quoi ? Comment Ferrari va-t-il se tirer une balle dans le pied à ce Grand Prix ? Et ça, c'est vrai que ça a remis un peu de. Ça a remis un petit peu de sel, un petit peu de peps, parce que. Non, c'est vrai. Ça fait quand même quelques années que c'est. Enfin, je trouve ça. Non, c'est vrai. Ça le fait depuis Schumacher. Il y a vraiment un dominant. Qui écrase tout le reste. Ouais. Enfin, Schumi, il a tout éclaté. Après Vettel, il a tout éclaté. Après Hamilton, en fait, il a tout éclaté. C'est souvent un pilote, mais la conjonction de ce pilote doit impérativement, pour moi qui suis l'une des autres, doit impérativement être dans l'écurie dominante. C'est quand même. En fait, on en est à un point où, si tu veux, par rapport à Senna, Prost, ouais. Où les pilotes étaient dominants, maintenant les voitures sont dominantes. C'est ça. Ce qui veut dire que, pour te donner une autre idée, si Alonso. Avait eu le fauteuil de Hamilton, ça aurait été Alonso. Parce que ce mec est une machine et il fait tourner un treuil qui devrait arriver 18e, il arrive 6e, 4e. Donc ce type est un avion, mais pas dans le Hamilton fauteuil. N'aurait pas pu faire pareil si tu lui donnes un tracteur. Hamilton il n'arrive pas 6e. Alonso ferait à peu près les mêmes choses. C'est ça, c'est tous des monstres en fait. Non, il y a sur les 20, il y a 4 monstres. Mais il faut avoir le baquet. Oui, qui va. Le bon, le 1 de la bonne écurie du monde. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a vraiment plus ces guerres d'écurie. C'est à main donnée, peut-être que la saison prochaine, c'est Ferrari qui va tout éclater. Et c'est pas désagréable de mater de la Formule 1 qui est en dessous comme de la Formule Renault ou de la Formule BM parce qu'ils partent sur la même base. Et, voilà. et là, les pilotes, ils chantent. Voilà. Voilà. Là, c'est. Là, le problème là, qu'on a en Formule 1, c'est que maintenant, je dirais, moi je la suis depuis longtemps, 15 piges, la voiture est presque supérieure au pilote. Même le meilleur, sur une voiture secondaire, il ne prendra pas le championnat du monde. Il fera des étincelles, mais il ne prendra pas le championnat du monde si la voiture suit pas. Le pilotage a vraiment perdu. Il a perdu de l'importance. Ouais, mais après, tu comprends bien que c'est le pilotage qui les emmène dans les bonnes positions. Mais il n'y a que deux baquets. C'est ça aussi. Et ils veulent plus jouer comme ils faisaient avant. Plus personne prend le risque de mettre deux dominants dans la même écurie. Voilà. Donc depuis Senna, Prost, on a compris que ça craignait un peu. Il y a la jurisprudence. Il y avait des chances qu'ils finissent dans le mur tous les deux. Quoi. Voilà. Alors comment on fait là pour soyez informé en temps réel de l'activité et des offres du Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Je suis paniqué. T'es sur le site du Paris Saint-Germain ? Oui, t'autorises tout. Dès que tu vois Paris Saint-Germain, PSG... C'est ça, non, mais c'est ce que je pensais. Tu fais autoriser, toujours. C'est toi qui va falloir déviruser. Moi je vais dire putain.
Ah, c'est moi me déverrouler, ça va être compliqué. Dans la F1, c'est... Je vois ce que tu veux dire. Dans le... En Indy, c'est différent. Il y a moins d'écart. Bah, il y a de l'écart quand même entre les écuries. Il y en a plutôt 3-4 qui peuvent vraiment se la jouer. Ah, c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi ? Est-ce que ce serait pas mieux que, finalement, ils aient tous la même bagnole comme ça ? C'est du pilotage. Mais à la fois, la Formule 1 amène tellement de nouvelles technologies, de progrès mécaniques. C'est ce qu'on a dans nos bagnoles. L'ABS, ça a commencé en F1, le SP. Et s'il n'y avait pas la compète, les constructeurs, ils tireraient pas aussi haut. Ils n'iraient pas. Donc, faut l'accepter. Mais t'as vu, il y a des marques qu'on connaît sur la route et qui sont extraordinaires et qui y vont pas. Audi. Par contre. Ils font les 24 heures du Mans. Voilà. Ils sont sur les vendus. C'est ça. Ils y sont, quelque chose de bien. Alors, est-ce que ça ping ? Oui. Et est-ce que ça surf ? Oui. Bah, ça ping, ça surf. Alors, comment est-ce que ce miracle peut-il arriver ? Parce que là, on a assisté à un petit miracle quand même. Le serveur DNS résolu. Le serveur DNS résout les noms. Alors, question. Comment est-ce qu'un serveur DNS résout les noms ? Ah, ben, on t'écoute. Ben là, je t'écoute, vu que c'est toi, t'as dit que le serveur DNS résout les noms. Pas, donc, je te demande, le serveur DNS, comment résout-il les noms ? Est-ce que, par hasard, il y a quelqu'un qui vous aurait appris ou évoqué ce sujet ? Il y a quelques temps, aux anciens, il y a un an à peu près. Oui, des noms de domaines, noms d'autres, ouais, des genres de trucs comme ça, oui. Les QN. Les Fully Qualified Domain. Donc FQDN. Les FQDN, oui, on est dans le sujet. On est dans le sujet, mais donc ça ne m'explique pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait... Regarde, donc si je suis sur un ordinateur qui est client DNS... Ben, je fais ping. Son nom dans le domaine. Il cherche son nom dans le domaine, c'est-à-dire ? Non, il cherche son nom et dans le catalogue, le nom qu'il cherche. Ah, oui. On va essayer de faire un exemple concret. Hein, on tente un truc un peu plus terre à terre. Je fais ping www.google.fr. La résolution non fonctionne ? Ben là, Est-ce que la résolution fonctionne ? Elle fonctionne. Oui. Il vous a renvoyé vers quelle adresse IP ? 216.51. Il a fait une résolution. Comment est-ce que le DNS a fait cette résolution ? Logiquement, si vous allez sur votre serveur DNS, vous avez une console DNS. Il est vide. Ben ça perd l'hypopète. Effectivement, logiquement, si vous avez quelques vagues souvenirs de ce qu'on avait vu, je vous avais dit que le serveur DNS, il allait faire la résolution de nom dans le conteneur qui s'appelle zone de recherche directe. Et actuellement, dans zone de recherche directe de votre serveur, il n'y a rien. Pourtant, il y arrive. Donc, vous allez devoir apprendre un petit peu plus de choses. Il y a des secrets là-dedans. Il y a des secrets. Lorsque, effectivement, vous êtes sur un client et que vous faites ping www.quelque chose, peu importe, un nom. La requête est envoyée au serveur DNS. Et que va faire le serveur DNS ? Il va regarder dans différentes bases de données. Il en a plusieurs mis à sa disposition. L'ordre dans lequel il va les faire, vous devez le connaître par cœur. Il va regarder d'abord dans le fichier host. Correct. Il va d'abord voir dans le fichier host. 127.0.0.1 Non. Quoi ? C'est du camping. C'est du camping avec 127.0.0.1. C'est n'importe quoi. Non. Attends, arrête. Oh, j'essaye. Arrête d'aller trop vite. Le fichier host, déjà, est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce qu'il est ? C'est de points Windows, système 32, non, driver. Driver, quoi, ETC ? Attends. ETC, ETC, slash ETC, tu veux dire ? Qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Mais d'où ça viendrait, ça, ce truc-là? Là, je commence à avoir une idée, ouais. Vous avez une idée? Ça vient de chez Gilles. Ça vient de chez Gilles. C'est même Macron, je crois. Hein. Ah, il y a Brigitte qui fait ça. Ça vient de Brigitte? Ah, ben ça vient de Brigitte, absolument. Donc, effectivement, ce n'est pas Microsoft qui a inventé le réseau, qui a inventé les systèmes d'exploitation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans Windows et qui viennent, en fait, d'Unix. Comme vous l'avez expliqué, c'est l'ancêtre de Linux. C'est Unix. Et donc le ETC que vous avez là, c'est un espèce d'héritage d'Unix. Et dans ce dossier driver ETC, vous avez le fichier hosts. Et c'est dans ce fichier hosts que vous allez trouver les résolutions de nom écrites à la main, entre guillemets, qui étaient utilisées avant qu'on ait un serveur DNS. Il n'empêche que ce fichier est toujours utilisable. Hein. Rarement utilisé, mais toujours utilisable. Hein, c'est pas impossible qu'un vil hacker coréen ou un virus ou un petit malin vienne écrire quelque chose dedans pour créer des faux sites, etc. Ça peut être une cause de soucis de surf sur Internet, sur certains sites, voire ça peut être volontaire. Hein, les administrateurs peuvent décider de modifier ce fichier-là. Genre, on met 127.0.0.1 tabulation www.facebook.com. Donc quand on va sur Facebook, bah, ça va utiliser cette résolution de nom qui va pointer pas du tout sur l'adresse de Facebook. Bon, aujourd'hui, c'est inutile. Qui utilise Facebook encore aujourd'hui? Personne. Comment tu ferais pour rediriger? Tu lui dirais... Comme c'est écrit là, tu l'as ouvert le fichier Non. Bah regarde sur de Twitch, voilà. J'ai ouvert le mien. Twitch. Si tu regardes sur Twitch là, vous voyez que partout il y a du hashtag, ça veut dire commentaire. C'est du commentaire. Et t'as des exemples. Voilà, for example, tu fais ça. Donc si dans mon fichier host, j'écris 127.0.0.1 tabulation www.psg.fr, voilà. Bah quand il aura besoin de résoudre www.psg.fr, il ira vers l'adresse IP 127.0.0.1. Qui, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est pas l'adresse IP du site internet du Paris Saint-Germain. Non, c'est ton autre local, donc il n'y aura rien. J'ai peur que la page s'affiche pas bien. Ouais. Et là, ça peut être un truc cocasse, je comprends pas. Si je fais www.psg.com, ça m'affiche la bonne page. Si je fais www.psg.fr, ça affiche que dalle. Là, c'est ce qui se passerait. Bon, je vais pas enregistrer parce que je voudrais pas que PSG soit... Non, mais non. Okay, hein, c'est... Mais donc, d'abord, le serveur, il va voir dans... Si, par exemple, il fait une recherche sur PSG, du coup, ça va mettre genre 3 sites avec PSG.fr dessus. Là, tu parles de... Je fais une recherche dans Google. Ouais. Qui, lui, va me sortir PSG.fr dans la liste. Ouais. Mais quand tu vas cliquer... Ouais, ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner parce que quand tu cliques... Finalement, Google, c'est juste quelqu'un qui va t'aider à écrire des URL. Mais c'est sur les URL que tu cliques. Donc tu vas sur le site qui s'appelle www.psg.fr. Il t'a évité de l'écrire, ouais, mais dans la barre d'adresse, c'est ce qui est écrit. Hein. Il n'a pas la même adresse IP, du coup. Le... Pas la même adresse IP que qui? Que lui, par exemple, que tu as donné, là. Du coup, ça oui, serait... c'est pas grave. Ouais. Est-ce que Google te renvoie des adresses IP? Non. Tu t'en es jamais servi. Mais donc c'est un moteur de recherche qui écrit des choses et c'est des liens qui te renvoient. Ouais, c'est des URL qui t'affichent. C'est que des URL qui t'affichent. Ouais, alors il faut pas penser, il faut réfléchir. Tu veux penser? Où sont les pansements? C'est écrit, de toute façon tu le vois dans le résultat de Google. C'est que des URL, tu vois jamais d'adresse IP. Non, il faut pas penser, il faut réfléchir. Oui, c'est traduit en adresse IP et qui fait ça? Le DNS. Le DNS. Sauf que le DNS, en tout premier lieu, il va lire le contenu du fichier host. Donc si dans le fichier host, il y a déjà une résolution de nom, c'est bon. Il ne va pas voir plus loin. Hein. Et si cette résolution de nom, c'est pas la bonne, lui, il s'en fout, hein. Il ne le sait pas. Hein. Donc d'abord le fichier host. Étape 2, en deuxième, après le fichier host, qu'est-ce qu'il fait le serveur DNS? Il va lire le cache DNS. Le cache DNS? Le cache DNS, c'est quoi? Alors la mémoire cache, on en avait déjà parlé. C'est une mémoire quoi, la mémoire cache? C'est une mémoire temporaire. Ça contient des résolutions de nom qu'il a déjà eues avant. Attention, sur vos serveurs DNS pour nettoyer ce cache du serveur DNS.
Il est possible que votre serveur DNS ait déjà fait cette résolution non, qu'il soit pas la bonne, qu'il ait échoué, enfin peu importe. Vous devez effacer ce cache. Pour effacer le cache du serveur DNS, il faut que vous alliez dans le gestionnaire DNS et faire clic droit de souris sur la console DNS et faire effacer le cache. Attention, ne confondez pas le cache du serveur DNS avec le cache du client DNS. Quelqu'un se souvient comment on efface le cache du client DNS ? Alors, c'était l'année dernière. Oui ! C'est Flush DNS. Flush DNS, ipconfig espace slash flush DNS. Après, ça rame un peu pour tout choper. Je l'ai fait à la maison pour voir. Mais donc, c'est pas les mêmes. Vous avez le cache du client et le cache du serveur. Alors, le cache du serveur, redis, méthodologie. Pour effacer le cache du serveur, ouais. Clique droit de souris sur ton serveur, effacer le cache, regarde sur Twitch. C'est affiché. Ouais, regarde sur Twitch. Il manque un écran. Là, il va te manquer une table, hein, surtout. Hein. T'en as deux dans le fond, là, si tu veux, mais... Tout simplement, ici. D'accord. Voilà. Alors, on peut aussi le faire en ligne de commande, si tu veux. On fait slash etc, cd, point, point, slash, cache, delete, serveur-cache-delete-s, slash, deux points, yes. Tu vois, tu sais. Ah oui, on met un pipe pour envoyer ça dans le trou noir. Vous avez fait un tour dans le trou noir? Ouais. On n'est pas sorti. Voilà, donc effacer le cache, vous pouvez avoir à le faire si il y a eu des modifications dans les différents serveurs DNS et vous voulez ne pas patienter. Je vous rappelle que toutes les mémoires cache sont temporaires. Donc c'est quelque chose qu'on fait que quand on ne souhaite pas patienter. Sinon, il suffit de patienter et les caches se vident d'eux-mêmes. Donc je répète, d'abord il va dans le fichier host, puis il lit le cache. Troisième étape, il regarde dans les zones de recherche directe. Sur votre DNS, dans zone de recherche directe, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a pg.fr dedans? Est-ce qu'il y a google.fr dedans? Donc il va à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le redirecteur conditionnel. Étape suivante, après les zones de recherche directe, vous avez le redirecteur conditionnel. Le redirecteur conditionnel, c'est un autre serveur DNS, mais que pour un nom de domaine. C'est-à-dire que mon serveur DNS, il a besoin de joindre psg.fr. Il a besoin de le résoudre, ce psg.fr. Sauf que mon serveur DNS ne le connaît pas. Vous pouvez créer un nouveau redirecteur conditionnel pour le domaine psg.fr et rajouter l'adresse IP du serveur DNS qui gère le domaine psg.fr. Vous avez des serveurs dédiés pour chaque nom de domaine. Un redirecteur conditionnel, ça va interroger un serveur pour un nom de domaine. Un seul. Et où est-ce que tu le rajoutes, ça ? Eh bien, si tu regardes sur Twitch, c'est écrit. Tu vas dans le conteneur qui s'appelle redirecteur conditionnel et on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris, nouveau, redirecteur conditionnel. Et dans le redirecteur conditionnel, vous avez deux parties. La première partie, c'est là où on écrit le nom de domaine vers lequel on veut faire les redirections. Ici, dans l'exemple, ce serait psg.fr. Et en dessous, vous devez rentrer l'adresse IP du serveur DNS qui gère le domaine psg.fr. Donc à nouveau, on peut faire la même blague que sur le fichier host. Et par exemple, ce serait une autre solution pour bloquer psg.fr. Que l'utilisateur lambda de ton groupe, de ton domaine, ne puisse pas aller à PSG, par exemple. Ou alors quand il fait PSG, tu le mets où tu vas. Ah, habile. Ah, il y en a qui déconnent. Oui, il y en a qui rigolent pas. Il y en a qui font ça. Sur Facebook, ils renvoient vers l'adresse IP d'un serveur web interne, dans lequel ils ont mis une jolie page. Ah, tu t'es espéré aller sur Facebook? Va bosser, feignasse. Vous n'êtes pas payé pour surfer sur l'internet, hein. Ouais, c'est ce que me disait Benoît. Quand t'arrives sur le truc, tu mets un gif de toi comme ça qui fait... C'est cocasse. Donc, je répète. Fichier host, cache, zone de recherche directe, redirecteur conditionnel... Vous l'appréhendez déjà, le redirecteur conditionnel, ça peut être compliqué si vous voulez rediriger vers de nombreux noms de domaine. Parce que là, on fait psg.fr, mais il y a psg.com, il y a
om.net, hein, fcgb.com, etc. On ne va pas se faire autant de redirecteurs conditionnels qu'il y a de sites web. Ça fait du boulot. Lefootmonmerde.org, etc. Donc vous avez ce qu'on appelle le redirecteur général. C'est-à-dire c'est un redirecteur pour tous les noms de domaine. Absolument tous. Mais du coup, comment on le... Enfin, non. Donc vous allez faire clic droit souris propriété sur votre serveur 1 et vous allez aller dans l'onglet qui s'appelle redirecteur. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter les adresses IP des différents redirecteurs. Y en a-t-il ? Non. Ah, tu l'avais rajouté avant. Votre onglet redirecteur, il est vide ? Oui. On pourrait imaginer, bah, cliquer sur le bouton modifier et en ajouter. Alors, connaissez-vous l'adresse IP d'un serveur DNS ? DNS secondaire de Google. 8.8.8, 777, 1111, ce sont différents serveurs DNS qui existent sur l'Internet que vous pourriez mettre en tant que redirecteur. Mais vous le voyez bien, actuellement, vous n'avez aucun serveur de configuré dans redirecteur. Pour autant, ça fonctionne. J'ai déjà entendu des gens qui disaient c'est obligatoire de mettre en place un redirecteur. Ben, vous voyez bien que c'est faux. Vu que ça fonctionne. Non, il n'y en a pas par défaut. Ben, c'est vide là. Tu vois bien que l'onglet redirecteur il est vide. Il n'y en a pas. Non, non, par défaut il n'y en a pas. Donc d'abord il regarde les redirecteurs conditionnels, après il regarde les redirecteurs. Voilà. Alors tu peux mettre entre guillemets général parce que tu vois bien que dans l'onglet redirecteur il n'y a pas écrit redirecteur général. On parle de redirecteur tout court. La différence, c'est que quand vous ajoutez un redirecteur, c'est qu'une adresse IP. C'est-à-dire que lui, il fonctionnera pour tous les noms de domaine sans exception. Alors que le redirecteur conditionnel, il marche que pour un nom de domaine. Donc il est beaucoup plus... Mémoire cache. Hot cache. Zone de recherche directe. Zone de recherche directe dans le serveur DNS. Redirecteur conditionnel. Redirecteur général. Et donc là, pour l'instant, par rapport à vos serveurs DNS, c'est un échec. Sur tous ces points-là. Tous ces points-là, ils sont faux. Et pourtant, ça fonctionne toujours. Il y en a encore un derrière. À côté de l'onglet redirecteur, vous avez un onglet qui s'appelle indication de racine. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les routes DNS. Et là, il y a du monde pour bloquer certains sites. Eh bien, bien joué. Qu'est-ce que c'est que ça, les indications de racine ? Les routes DNS. Alors, route... C'est pas là on roule avec la voiture. C'est pas R-O-U-T-E, c'est R-2-O, c'est les racines. C'est racines dans le sens route. Donc c'est comme ça. Donc vous avez 13 serveurs racines répartis sur toute la planète qui, eux, connaissent tous les noms de domaines du monde. Tout simplement. Et c'est mis à jour... En temps réel. Enfin non, en temps réel. C'est mis à jour à chaque expiration des caches. Évidemment. Bien sûr, il y a toujours la notion de cache de tous les serveurs DNS du monde. Donc, il y a très souvent il y a très souvent, tout le temps d'ailleurs, quand tu fais du vrai DNS de l'Internet, à chaque fois, ça te dit, toute modification du DNS prend 48 heures pour se mettre en place, vu que tu agis sur un DNS, mais il y en a un autre, et les caches, bah, chaque serveur DNS a son cache. Donc, il faut attendre que tous les caches de tous les serveurs DNS soient expirés pour que ton client, qui est au Guatemala, toi, tu as créé ça dans un serveur DNS en France, et ben lui, il n'est pas à jour tout de suite. Hein. Donc il y a toujours un délai. Il n'y a pas de commande pour effacer tous les caches de tous les serveurs DNS du monde. Elle n'existe pas, celle-là. Donc voilà, et ça, c'est l'explication de pourquoi ça fonctionne alors que vous n'avez rien fait, à part installer le rôle serveur DNS. Votre serveur DNS interroge les routes DNS, les indications de racine, pour faire la résolution de nom dont il a besoin. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, host, cache, zone de recherche directe, redirecteur conditionnel, redirecteur général, racine DNS. Par cœur. Para cœura. Debes conocer esta revolución de corazón. Là, c'est pas ma faute si Corazon ça se dit comme ça en espagnol. Je pourrais pas te le dire en allemand. Je peux dire by heart. You have to know it by heart. Je sais même pas si cette expression existe en anglais. Par cœur. Je pense pas. Autre chose. Et ça veut dire quoi?
Par cœur, bah, ça veut dire qu'il faut que tu le... Bah, j'ai dit by heart, c'est pas de l'allemand. By heart, le heart, c'est le cœur en anglais. Alors je sais que mon accent anglais est vraiment dégueulasse. Hein, c'est... Je suis extrêmement mauvais. By heart. Heart. C'est by heart. C'est by heart aussi. Et ben voilà, bah, on a par cœur aussi du côté anglo-saxon. Disons-le. En fait, c'est comme quand on cherche à faire à dépanner une panne réseau. Dans la recherche DNS, il va au plus près jusqu'au plus loin. C'est ça. Ouais. C'est exactement pareil. Juste et parce que il y a une petite notion de vitesse, quand même. Vu que le principe du DNS est de résoudre les noms, ben il faudrait que lui soit le plus rapide possible. Ouais. Donc il essaye toujours au plus près pour répondre le plus rapidement plus au client. Et puis si c'est dernier recours, allô les racines là, vous êtes là-haut vous, j'ai besoin d'aide. Et l'indication de racines. Donc c'est pour ça que des fois on va lire que il y a des gens qui vont vous dire mettre un redirecteur, et ben ça fait accélérer la résolution DNS. Hein, si par exemple, comme redirecteur, je mets 8.8.8, est-ce que ça va plus vite? Ben ça dépend. Le serveur DNS 8.8.8, il est où? Géographiquement. So far. Je pense qu'il est loin. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, eh ben, le DNS que vous devriez mettre dans les redirecteurs, c'est celui de votre fournisseur d'accès Internet. Vous êtes chez Orange, ben dans les redirecteurs, ce serait judicieux, plus rapide, plus accessible de mettre dans l'onglet redirecteur l'adresse IP du serveur DNS d'Orange. Il y a des chances que vous êtes un client Orange, le serveur DNS d'Orange, bah ce soit peut-être sur le même réseau ou pas très loin. Il n'y a pas 50 routeurs entre eux et vous. Mais certainement plus rapide que le DNS Google, de toute façon. Est-ce qu'il répondra plus vite? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, on pourrait dire qu'en distance, en nombre de sauts, ça paraît plus cohérent que le DNS d'Orange soit au moins plus rapide pour le ping, disons-nous. Maintenant, la résolution de nom... Un serveur DNS hébergé chez Orange, administré par les salariés d'Orange, mis à jour par ces gens-là, quelle est sa qualité? Quelle est sa vitesse? C'est sur un 286 qui tourne? Ouais, peut-être mettre 8.8.8 comme DNS. C'est trop vite. Après, c'est la guerre des DNS. Quand vous cherchez des DNS sur Internet, il y en a plein qui vont vous dire « Mettez ça dans le redirecteur, il est trois fois plus rapide que l'autre, il est... » Franchement... Si vous arrivez à faire la différence... Non, on la verra pas. Tu la verras pas. Là, c'est de la nanoseconde de différence. Donc, peut-être effectivement, si tu es une entreprise et tu as 600 000 requêtes secondes sur les DNS d'Internet, ce serait... Voilà, ça jouera. T'as le temps avant de voir une vraie différence. Ouais. Vamos a comer? Si, claro. Si, claro que si. Es la hora de la comida? Entonces, on se revoit, on se revoit à 14h, à 13h30, pardon. Rendez-vous 13h30, à plus l'internet. Salut la commu. Allez, fin de matinée, ciao ciao, à 14h30. À 13h30, putain.